Bonjour à toutes et à tous. On voit de la joie, on voit de l'espoir aujourd'hui. J'ai le plaisir d'animer cette première convention de l'Union populaire écologique et sociale qui, sans en douter, fera date aujourd'hui dans l'histoire avec Marine Tondelier, conseillère régionale écolo des Hauts-de-France et candidate à Hénin-Beaumont. Merci. Et j'animerai donc cette convention historique, c'est le mot du jour, avec Manon Aubry, députée européenne insoumise. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous le disais, aujourd'hui dans cette salle s'écrit l'histoire. Certains d'entre vous ont peut-être pris le métro, sont descendus au métro Front Populaire, ont pris l'avenue Léon Blum et ont le sentiment aujourd'hui ici de renouer avec l'histoire mais aussi de préparer l'avenir. Regardez aujourd'hui qui se trouve sur scène avec nous. Ce sont des représentants de formations politiques qui ont fait campagne séparément, mais qui font le choix aujourd'hui de se regrouper derrière un programme commun ambitieux, un programme de gouvernement, un programme qui changera 86 ans après le Front Populaire, qui changera la vie, j'oserais dire, ici et maintenant. Alors oui, on nous disait que c'était impossible, qu'en 10 jours, on ne le ferait pas. Et pourtant, les amis, on l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, vous l'avez lu dans la presse. Manifestement, ça en inquiète certains. Ce qui va nous rassurer, c'est qu'ils sont plutôt à droite. Donc c'est bon signe. Et vous savez quoi? On va leur montrer qu'ils ont raison. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça avec nous? Ils ont raison et on va leur montrer. On va leur montrer parce qu'aujourd'hui, dans cette salle, c'est historique. Il y a des insoumis. Il y a des écologistes. Il y a des communistes. Il y a des socialistes. Et on va leur montrer ensemble. Alors, pour cela, on a des chefs de file des différents partis qui vont vous expliquer pourquoi et comment on l'a fait. Manuel Bompard, directeur de campagne, Aurélie Trouvé, présidente du Parlement de l'Union populaire. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Allumez le micro de Manon, laissez-la présenter les intervenants. Attendez, j'arrive. On est très solidaires déjà. On va vous montrer que c'est un travail d'équipe. Mathilde Panot, présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale. Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Et Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Manu, c'est à toi. À toi, Manu. Merci, merci, merci beaucoup, merci, ça fait plaisir, merci, merci beaucoup chers amis, chers camarades, bienvenue ici au DOC d'Aubervilliers, merci à toutes celles et tous ceux qui sont venus de partout en France aujourd'hui pour se réunir ici. Merci aux organisatrices, aux organisateurs qui ont fait en sorte qu'on puisse tenir ensemble cette convention. Et un salut à celles et ceux qui nous regardent à distance. Je sais qu'ils sont d'ores et déjà très nombreuses et très nombreux. Aujourd'hui se tient donc un événement inédit et exceptionnel. Oui, aujourd'hui se tient la première convention de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Oui, aujourd'hui, nous nous rassemblons malgré nos différences,
malgré nos histoires respectives, malgré nos rapports parfois houleux, oui, mais si nous sommes ensemble, c'est parce que nous savons que notre responsabilité face à l'urgence du moment est d'oublier les rancœurs du passé pour construire ensemble un autre avenir en commun. Parce que nous refusons de vivre encore 5 ans sous une majorité aux ordres du président de la République. Oui, nous refusons de subir le terrible programme de maltraitance sociale qui s'annonce. Oui, nous refusons de laisser la crise climatique s'aggraver sans qu'aucune politique sérieuse ne soit mise en place pour y faire face. Oui, nous refusons la dérive autoritaire et dangereuse du pouvoir que nous constatons depuis 5 ans. Voilà pourquoi nous nous regroupons, pour gagner, pour conquérir une majorité à l'Assemblée nationale, pour faire de Jean-Luc Mélenchon le futur Premier ministre de la France, pour appliquer un programme qui changera concrètement la vie des gens, pour répondre aux problèmes de la fin du monde comme aux problèmes de la fin du mois. Oui, nous nous regroupons autour d'une stratégie partagée, celle de cette nouvelle Union populaire avec son Parlement, permettant d'associer les forces politiques et les figures syndicales, associatives, universitaires, du monde de l'art et de la culture. Oui, nous nous regroupons autour d'un programme partagé qui sera la future feuille de route du gouvernement que nous allons constituer ensemble. Oui, nous nous regroupons avec des candidates et des candidats sur l'ensemble du territoire national, présentés par nos différentes formations politiques, mais bien au-delà, et identifiés sous une bannière commune et portant partout dans le pays ce programme partagé. Aujourd'hui marque le point de départ de notre campagne commune. Vous la sentez, la vague d'espoir qui se lève? Vous la sentez? Vous sentez que peu à peu se répand l'idée que malgré la déception de l'élection présidentielle, la partie n'est pas finie, que nous ne sommes pas condamnés à attendre 50 plus pour changer les choses. Il y a un troisième tour, et si nous avons empêché Marine Le Pen de s'empérer du pays, il faut maintenant faire en sorte d'empêcher Emmanuel Macron de conserver le pouvoir. Et ensemble, nous pouvons le faire. Ah, ce n'est pas l'esprit des institutions, nous dit-on, ici ou là. Les élections législatives, c'est fait pour confirmer le résultat de l'élection présidentielle. Mais quelle curieuse conception d'une élection si le résultat doit être écrit à l'avance. Non, nous ne sommes pas d'accord. Les élections législatives qui s'annoncent doivent permettre de désigner librement la future majorité à l'Assemblée nationale. Et nous assumons, parce que nous sommes ici tous ensemble, opposés à la Ve République, nous assumons de dire qu'en élisant une majorité de notre nouvelle Union populaire à l'Assemblée nationale, nous mettrons déjà un peu de 6e République dans la 5e République monarchique que nous combattons. Mais c'est impossible, nous disent-ils, impossible. Et pourtant, ils ont peur. Les voici qui nous reprochent déjà de nous être fédérés après nous avoir reprochés et nous avoir méprisés car nous n'étions pas capables de le faire. Les voici qui cherchent à exacerber nos différences pour oublier la grande majorité des sujets qui nous rassemblent. Les voici qui font mine d'oublier que 32% des suffrages ont permis en 2017 à Emmanuel Macron de disposer d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Alors 32%, chiche, relevons le défi. Nous pouvons faire mieux, nous pouvons gagner, nous pouvons changer la vie, nous pouvons faire face à la crise climatique, nous voulons refonder la démocratie pour retrouver l'unité du peuple. Alors, aujourd'hui marque le départ de notre campagne. Allons convaincre que tout peut changer dans 6 semaines. Allons convaincre de ne pas rester à la maison. Allons convaincre que face à la division du bloc libéral et à la division du bloc d'extrême droite, le regroupement du bloc populaire nous ouvre le chemin. Oui, la victoire est à portée de main. Mobilisons-nous partout dans le pays
pour amener notre nouvelle Union populaire au pouvoir. Oui, un autre monde est toujours possible. Merci beaucoup. Merci Manu. Merci. Merci Manu. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous sommes et nous avons un regroupement historique pour gagner. Il y a une autre chose qui va entrer dans l'histoire. On vous a donné un petit indice hier sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être vu fleurir cette image. Cette image et ce petit V de la victoire, parce que, en effet, au mois de juin, nous partons pas pour être dans l'opposition, mais nous partons pour changer la vie de millions de gens. Et ce V de la victoire, nous allons l'emmener jusqu'au mois de juin, mais il n'est pas que ça. Donc, vous avez compris, c'est le V de la victoire parce qu'on va... Ça, c'est bon. Maintenant, on va vous faire une petite minute, le saviez-vous, qui est offerte par Manuel Bompard. Cette lettre V, en grec, c'est ça, elle se dit nu. Pas juste parce qu'on n'a plus de secrets les uns pour les autres, on en a encore un petit peu. Pas juste parce qu'on va se mettre à poil pour le climat, on attendra. On a mis à nu nos différences. Voilà, on a mis à nu nos différences. Et nos convergences. Le nu de la nouvelle union, bien sûr. Cette nouvelle union, elle est populaire, elle est écologique, elle est sociale. Mais ce signe, on tenait à ce qu'il figure dans notre nouveau logo. Je pense que là, tout le monde est impatient de découvrir ce logo. C'est parti. On leur montre. Alors, on va gagner ce signe. J'espère que vous l'avez bien retenu parce que vous n'avez pas fini de le faire. On veut vos photos devant les affiches, en tractant, dans vos réunions publiques. Et on va vous montrer avec Manon comment vous allez faire. Et vous allez le faire maintenant. Vous vous levez avec votre suppléant, vos directeurs de campagne, qui vous voulez. Vous sortez votre smartphone. Tous. Tous. Ils ne sont pas aussi rapides que nous. Hop. Comme ça. Photo. Manon ne sait pas se servir de la fonction selfie. Mais vous, vous savez... T'es en mode vidéo, Manon. C'est pour ça que ça ne marche pas. Et photo. Va gagner. L'avantage, c'est que le temps que Manon fasse sa photo, tout le monde aura eu le temps de la faire dans la salle. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a fait sa photo? On la poste, évidemment, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Convention NUP. On compte sur vous, on va gagner. Olivier, c'est à toi. Bravo. On va laisser les gens finir leur... Chers amis, chers camarades, d'abord vous dire mon plaisir, ma joie d'être parmi vous. Parce qu'effectivement, comme vous... Oui, comme vous, je crois à la victoire en juin. Alors, on m'a prévenu. On m'a dit, le président nous a dit, faites attention, c'est des sauvages. C'est vrai, des fois, je vous trouve un peu différent des socialistes, plutôt habitués aux institutions, à être plus calmes que vous ne l'êtes. C'est vrai. Mais c'est un hommage, effectivement.
Mais je me suis dit au fond de moi, au plus profond de moi, qui sont les vrais sauvages dans ce pays? Qui sont les vrais sauvages dans ce pays? Est-ce que ce sont ceux qui, comme Manuel vient de le dire, veulent penser qu'un autre monde est possible, ou celles et ceux qui font tout pour que ce monde reste ce qu'il est, que ceux qui exploitent la planète, les gens, restent à leur place, et que nous n'ayons pas, nous, la possibilité de changer la vie des gens? Qui sont les sauvages? Eh bien, moi, j'ai choisi. J'ai choisi. J'ai choisi parce que je crois qu'effectivement, ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Alors, j'entends la presse nous dire que ce serait le mariage de la carpe et du lapin, que nous aurions des différences incroyables. Mais bien sûr que nous avons des différences. Qui les nie? Ni vous, ni moi, ni personne. Mais enfin, j'observe aussi que ces questions-là, on nous les pose à nous, alors que qui les pose à Emmanuel Macron? Il a des gens qui se sont combattus toute leur vie. Alors peut-être que vous pouvez penser, et d'ailleurs je finis par le penser, que peut-être faisait-il semblant. Mais voilà des gens qui sont de droite et de gauche, qui se réunissent, et nous qui sommes de gauche et de gauche, on nous demande des excuses. Incroyable. On nous dit que ce sont des hommes et des femmes de bonne volonté. Alors quand on est de bonne volonté, on fait ensemble un programme de droite. C'est comme ça. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est que ces gens qui se proclament progressistes, et j'aurais tellement aimé les croire, et pour ne rien vous cacher, il y a 5 ans, à un moment, j'ai cru que nous pourrions faire un bout de chemin avec eux. Je n'ai pas de honte à le dire. J'ai pensé qu'Emmanuel Macron, qui était soi-disant un homme de gauche, pouvait être celui qui pouvait transformer la gauche. Je l'ai pensé. Pas longtemps, mais je l'ai pensé. Mais maintenant, comment pourrais-je encore y croire? Comment pourrais-je croire que celui qui a été l'auteur de lois, que je ne vais pas toutes citer, même si je vais y revenir, comment pourrais-je encore y penser? Et donc, plutôt que d'avoir peur des insoumis, des écologistes, des communistes, des socialistes radicalisés, paraît-il, eh bien, je leur dis à toutes et tous, n'ayez peur de rien. Faites-vous plaisir pour une fois. Ne votez pas contre, mais votez pour. Faites enfin ce que vous croyez. Ils nous disent qu'ils sont des progressistes. Mais il est où le progrès? Il est où le progrès du quinquennat qui vient de s'écouler? Et contre lequel, d'ailleurs, socialistes, communistes, écologistes, insoumis, nous nous sommes battus ensemble au Parlement. Mais il est où le progrès quand, sur la question écologique, on revient sur l'interdiction des néonicotinoïdes, quand on refuse d'interdire le glyphosate, quand on est condamné à 2 reprises pour inaction climatique? Il est où le progrès? Il est où le progrès lorsque on prive les salariés des droits qu'ils ont conquis durement? Il est où le progrès avec les ordonnances Pénicaud? Il est où le progrès quand... Il est où le progrès? Et j'entends des gens qui, dans la salle, murmurent, peut-être, se disent-ils, peut-être devraient-ils aussi parler de ce que les socialistes ont pu faire. Alors je vais vous faire une confidence, ou plutôt... Vous vous rappelez quelque chose? La loi travail de 2016, baptisée El Khomri. Attendez. Aucun socialiste ne l'a jamais adoptée. Pourquoi? Parce qu'elle nous a été imposée avec le 49-3. Parce qu'il n'y aurait pas eu de majorité pour l'adopter. C'est ça la réalité. Et donc, plutôt que de... Je le comprends. Plutôt que de dire aux socialistes, vous avez été des traîtres, allez plutôt les retrouver et dites-leur, on a compris que vous pouviez aussi être avec nous là pour changer la vie. Et là, vous verrez, on va faire de grandes choses ensemble.
Bon, évidemment, c'est pas seulement le passé dont je voulais vous parler, c'est aussi de l'avenir. Et l'avenir, il est simple. Il y a deux chemins possibles. Alors, il y a un chemin dont on ne sait pas grand-chose, puisque le président a réussi cet exploit de faire une campagne sans rien dire. Pas de projet, pas de vision, trois mesures. Une première, la suppression de la redevance télé, qui est en fait la garantie de l'indépendance des médias publics. La deuxième, qui est de faire travailler ces fainéants de bénéficiaires du RSA qui ont le culot de bien vouloir obtenir chaque année, chaque mois une allocation, alors même qu'ils ne travaillent pas. Incroyable. Et donc, troisième mesure, faire reculer l'âge de la retraite à 65 ans. Voilà le seul programme connu d'Emmanuel Macron. Tout le reste sera à l'avenant. Et ça continuera, parce qu'il n'a pas commencé aujourd'hui. Il a déjà fait la réforme de l'assurance chômage. Il nous a dit « Je suis l'homme du quoi qu'il en coûte ». Mais ça n'est pas vrai. Il est l'homme de celui qui va en coûter d'abord aux plus pauvres, de celui qui va en faire en sorte que ça va coûter aux classes moyennes, aux classes populaires. Voilà ceux qui vont payer le programme d'Emmanuel Macron, parce que son projet, il est là, et il est nulle part ailleurs. Et donc, nous devons le combattre de toutes nos forces, faire en sorte que dans les prochaines semaines, nous puissions nous dire qu'il va en coûter à quelqu'un, mais pas aux plus pauvres, mais pas à ceux qui n'en peuvent déjà plus, mais à ceux qui ont déjà trop. C'est ça le projet que nous pouvons porter ensemble, toute la gauche et les écologistes. Remettre en place l'impôt sur la fortune, mettre fin à la flat tax, parce que beaucoup n'ont pas compris cette chose simple. Avec la flat tax, quand vous vivez de vos dividendes, vous êtes moins imposé que celui qui rentre dans l'impôt sur le revenu. Comment pourrions-nous l'accepter? Comment pourrions-nous le laisser en place? Alors oui, nous approcherons la flat tax pour mettre en place l'ISF. Nous ferons en sorte qu'il y ait une fiscalité plus juste, parce que nous voulons effectivement de la justice dans ce pays. Alors, chers amis, j'en finis par là, parce que beaucoup d'autres vont parler après moi, et qu'ils diront approximativement la même chose, et vous verrez que nous ne sommes pas si différents. Nous sommes fatigués. Nous avons une campagne présidentielle dans les pattes. Nous avons, pour certains d'entre nous, négocié jour et nuit à cause de Manuel Bompard. Et donc, oui. Et il nous a mené la vie dure, très dure. Vous avez tort de l'applaudir. On a failli partir. Et puis on est resté quand même. Parce que Pierre Jouvet aussi, il est endurant. Vous pouvez l'applaudir aussi. Voilà. On est fatigué. On est fatigué. Mais il y a des gens qui sont plus fatigués de nous, plus fatigués que nous, et qui attendent depuis 5 ans qu'on relève le défi. Alors, malgré la fatigue, on va se battre pendant ces 5 prochaines semaines et on va aller arracher la victoire ensemble. Merci à toutes et tous. Et on va gagner, oui, on va gagner. Bonjour à toutes et tous. Quel plaisir d'être avec vous, et j'ai le sentiment et j'ai la conviction qu'aujourd'hui, on est en train de faire la grande histoire. Et je ressens l'espoir avec lequel je me suis engagée dans l'altermondialisme il y a 20 ans. Parce qu'on avait compris, et on le comprend maintenant, que parce que nous sommes des millions à nous battre pour ça, un autre monde est possible. Et je vais vous parler du Parlement, de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, celui que nous allons construire ensemble, et du sens que ça a pour nous. Nous ne voulons pas seulement une alliance de partis politiques. Nous voulons plus. Parce que pour gagner au mois de juin et changer la vie des gens, nous devons rassembler bien au-delà de ces partis. Nous devons rassembler toutes celles, tous ceux qui s'insurgent contre un système qui broie l'humain et la nature. Ceux qui le font dans leur entreprise, dans la rue,
dans leur association, dans leur syndicat, dans les collectifs de quartier, dans les fermes aussi bien que dans les universités ou dans les bouquins qu'ils écrivent. Ce Parlement, c'est l'écrivaine et féministe Annie Ernaux. C'est la gilet jaune, Geneviève Le Guay. C'est la militante écolo, Alma Dufour. C'est l'infirmière syndicaliste Farida Chic. Et tant d'autres déjà là ou qui vont nous rejoindre. Et avec toutes ces femmes et ces hommes, que les idées politiques vont se régénérer. Nous comprenons ainsi ce qui se passe dans les strates profondes et diverses de la société. Nous nous connecterons ainsi aux couches populaires et aux mouvements sociaux. Car il faut le préciser, nous n'avons pas peur des mouvements sociaux, nous en avons besoin. Nous aurons besoin d'une mobilisation populaire constante. On l'a vu lorsque M. Macron a essayé de s'attaquer au système des retraites. C'est l'alliance de la rue et des élus qui nous a permis de l'en empêcher. Et si nous portons Jean-Luc Mélenchon à Matignon, et on va le faire, eh bien, des vents contraires vont se lever. Parce que nous voudrons et nous ferons la retraite à 60 ans. Parce que nous ferons le SMIC à 1400 euros et la réhausse généralisée des salaires. Parce que nous ferons le blocage des prix. Eh bien, ils voudront nous empêcher de faire tout ça. Et nous savons, face à la pression des classes dominantes, il nous faudra une détermination sans faille, ça on l'a, mais il faudra aussi des mouvements sociaux puissants, capables de faire valoir leur force, comme ce fut le cas dans les premiers mois du Front populaire. Le Parlement, c'est donc ce pari, réunir en son sein pour faire campagne des centaines de personnes issues des forces politiques autant que des forces sociales, avec des pratiques, des cultures militantes, des idées différentes. Les membres du Parlement ont tenu des centaines de réunions publiques ces derniers mois. Ils ont rencontré des milliers de personnes partout en France pour discuter de tous les sujets. Et c'est cette présence au plus près des gens dans les 5 semaines à venir qui va nous faire gagner. Alors nous allons unir sans uniformiser. Nous trouverons l'énergie et la force dans nos complémentarités pour convaincre. Alors évidemment, cette diversité n'est possible que parce que nous sommes d'accord sur l'essentiel. Un programme de rupture et une stratégie en commun, avec une même conviction, celle qu'il faut changer le système pour répondre à des défis écologiques, sociaux et démocratiques qui sont immenses. Et c'est ce qui nous permet de faire bloc et de former un bloc populaire. Alors j'invite, dans les jours à venir, chaque force politique à s'emparer de ce nouveau Parlement, avec de nouvelles personnes qui rejoindront celles qui y sont déjà. Dans les semaines à venir, ce Parlement va amplifier la campagne. Beaucoup s'étaient détournés des élections. Ils ont commencé à revenir vers nous. Ensemble, réunis, nous pouvons faire encore plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce Parlement? Eh bien, on va collecter de nouveaux soutiens, rendre cette unité visible, donner de l'écho, de l'appui politique aux mobilisations sociales, participer aux meetings de nos candidats, nous déployer partout sur le territoire dans des assemblées populaires, contrer les argumentaires de nos adversaires et enrichir les nôtres, bref, mener la bataille des idées et des convictions. Et je vais finir en revenant sur cette histoire du mouvement altermondialiste qui m'est si chère. Comme il l'avait préfiguré, nous allons puiser notre force dans la diversité de nos histoires pour construire un bloc populaire et changer d'avenir. Le Parlement en sera un des espaces. Ça commence par cette campagne. Pour la victoire, nous allons gagner dans 5 semaines. Merci Aurélie. J'ai le plaisir d'accueillir tout de suite Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Mes chers amis, mes chers camarades, les réformes heureuses sont à portée de main. C'est ça l'événement de la journée. Ce 7 mai, s'il y a bien un événement important dans cette journée du 7 mai,
c'est bien cette journée d'investiture des candidats de la nouvelle coalition des forces de gauche et écologistes, cette nouvelle union que nous voulons, oui, populaire, écologique et sociale. C'est ça l'événement de cette journée. Et les communistes sont heureux d'être là aujourd'hui avec vous. L'événement de cette journée, c'est la présentation du programme que nous construisons ensemble et qui va considérablement changer la vie des Français. Oui, c'est une journée importante car nous avons la possibilité, là, maintenant, dans 5 semaines, de pouvoir battre Macron à l'Assemblée nationale en faisant élire une nouvelle majorité de gauche. C'est un immense espoir qui ne s'était pas produit depuis des années. C'est surtout un immense espoir pour tous les salariés, pour les retraités, pour les familles, pour la jeunesse qui aspire à tant de changements depuis des années. C'est ce que je leur dis chez moi depuis une semaine où je suis en campagne et que je commence à voir ces discussions concrètement sur cet espoir qui naît. Et je leur dis, dès le 1er juillet, là, tout de suite, dès le 1er juillet, avec cette nouvelle majorité, le SMIC va augmenter à 1400 euros net. Les salaires vont augmenter de 100 euros tout de suite. Et avec un salaire brut, avec des cotises pour financer la Sécu. Dès le 1er juillet, nous allons mettre à l'ordre du jour, enfin, la retraite à 60 ans. Et ils vont pouvoir partir à la retraite avant l'heure prévue. Et des jeunes pourront avoir accès à ces nouveaux métiers. Et dès la rentrée de septembre, je dis aux étudiants que je rencontre que dès la rentrée de septembre, il y a ce revenu étudiant que nous avons d'ailleurs porté tous ensemble pendant la campagne. Il sera effectif. C'est ça le changement. Ces changements sont à portée de main. Ils seront possibles si des millions de Françaises et de Français s'en mêlent, s'ils votent, s'ils enclenchent un grand mouvement social et populaire. Et c'est ça, l'espoir que nous devons faire grandir toutes et tous ensemble dans les 30 prochains jours. Mais surtout, c'est cet espoir d'empêcher Macron d'avoir sa majorité. Avec les bulletins de vote estampillés de notre nouvelle coalition, nous allons pouvoir battre partout les candidats d'Emmanuel Macron, les candidats des Républicains et les candidats du Rassemblement national qui se présenteront dans le pays. Imaginez un peu que nous allons pouvoir battre ces ministres qui se présentent avec le pire bilan pour le pouvoir d'achat des Français. Nous allons pouvoir battre ces candidats macronistes comme celui de l'Essonne, qui est le bras droit de Stanislas Guérini, qui dirige le parti de La République En Marche et qui, avant cela, a travaillé pendant 5 ans chez McKinsey. Ils osent faire ça, présenter un candidat qui a travaillé 5 ans chez McKinsey. Ils osent faire ça. Vous me direz, c'est à ça qu'on les reconnaît, c'est qu'ils osent tout, ceux-là. Alors oui, les 12 et 19 juin prochains, nous allons pouvoir leur dire, toutes et tous ensemble, fini les cabinets McKinsey et consorts qui viennent émarger sur les comptes de la République. Fini l'évasion fiscale qui siphonne les richesses de notre pays et des salariés. Fini les cadeaux aux plus riches pendant que les ouvriers, les salariés, les agents des services publics triment au boulot et se serrent la ceinture pour payer leurs factures. Fini de baisser les impôts des grands groupes comme Amazon, Google, Apple, BNP, Société Générale, Sanofi, tous ces groupes qui distribuent des dividendes et licencient en même temps. Et puis, j'ai forcément une pensée particulière pour les salariés, les militants syndicaux qui résistent sans moyens face aux mauvais coups, face aux délocalisations. À eux, je leur dis spécifiquement, fini les lois El Khomri, les ordonnances Macron. Fini ces lois qui vous ont privé de droits pour vous défendre. Et d'ailleurs, j'en rajoute même une louche, je leur dis que non seulement ces lois nous les abrogeront, mais en plus, nous allons
rétablir les CHSCT et nous vous donnerons de nouveaux pouvoirs pour pouvoir intervenir dans les comités d'établissement, dans les conseils d'administration et avec des moyens financiers pour pouvoir porter vos propositions. Alors oui, notre victoire est directement indexée sur l'espoir que nous allons porter dans les prochains jours. Et c'est pourquoi la convention de ce jour est importante. Bien sûr, nous avons des différences sur un certain nombre de sujets, mais nous avons tous pris nos responsabilités et nous avons fait le choix de nous additionner dans le respect de ces différences et sans les effacer. Car nous aurons la possibilité, chacun, d'avoir un groupe à l'Assemblée nationale. Et ces groupes voteront ensemble les mesures de progrès social, de justice sociale que nous avons décidées ensemble. Et ils pourront aussi faire vivre leurs propres propositions en toute autonomie et dans le respect de notre diversité. Il nous reste maintenant 30 jours. 30 jours pour aller voir les Françaises et les Français, pour les convaincre de porter leur vote sur les candidats de ce nouveau rassemblement. 30 jours pour prendre le pouvoir à la finance, pour pouvoir rendre le pouvoir au peuple, aux salariés, et refonder une belle république sociale, démocratique et laïque. 30 jours pour qu'enfin la France parle au monde de la paix. 30 jours pour que la France parle de paix en Europe avec cette guerre en Ukraine, pour mettre en priorité l'urgence d'un cessez-le-feu et la garantie de la sécurité collective pour tous les peuples d'Europe. C'est ça aussi notre responsabilité. Trente jours enfin pour réussir à rassembler largement, dès le premier tour, dans chaque circonscription, car notre principal adversaire sera, je le crains, l'abstention. Il y a tant de nos concitoyens qui aujourd'hui se sont éloignés de la politique. Il y en a tant qui, comme me l'a dit une électrice la semaine dernière, elle se trouve en dépression démocratique et elle n'y croit plus. Alors, avec nos belles candidatures rassembleuses, déployons d'immenses efforts dans les prochains jours, dans chaque circonscription, pour rassembler, pour unir, pour aller convaincre celles et ceux qui n'y croient plus, et même, je vous le dis, aller convaincre celles et ceux qui ont pu utiliser le bulletin de vote Le Pen en pensant se débarrasser de Macron. Je pense effectivement à toutes ces circonscriptions, à tous ces départements, comme chez moi, dans le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, où le Rassemblement national réalise ses meilleurs résultats. Nous avons là d'incroyables défis, d'énormes efforts de rassemblement à produire pour susciter l'espoir, projet contre projet. Car nous les avons déjà battus. Nous les avons réussi à les battre aux élections départementales en les mettant en échec, là où leurs élus n'avaient aucun bilan à produire dans leur tract. Ils ne savent parler, ces militants, ces candidats du Front National, que d'immigration, de religion, de division dans nos tracts. Nous parlons, nous, de dignité humaine, de respect, d'égalité. Nous parlons des combats menés contre les expulsions locatives, pour le maintien d'un commissariat, pour l'extension du centre hospitalier de Lens que nous avons obtenu. Oui, c'est en montrant notre utilité que nous arrivons à gagner pour nos populations et que nous arrivons à faire reculer l'extrême droite. C'est en menant le combat pour défendre nos usines que nous démontrons que si Bridgestone-Béthune ferme, ce n'est surtout pas à cause de l'immigration, encore moins à cause du grand remplacement de Zemmour, mais à cause du capitalisme et d'un gouvernement complice d'une Europe libérale qui finance les délocalisations au sein de l'Union européenne. C'est pourquoi je salue des candidatures comme celle de Marine Tondelier qui affrontera Le Pen, comme celle de Jean-Marc Tellier qui se retrouvera face aux députés sortants Rassemblement National, mais aussi face à Pannier-Runacher qui s'est retrouvé parachuté là-bas. Alors mes chers amis, mes chers camarades, nous avons de beaux et de grands défis devant nous, celui de rassembler les Français, de construire avec eux la plus belle des majorités, la plus heureuse des majorités, celle qui saura faire naître de nouveau les sourires sur les visages de nos concitoyens avec des réformes que nous attendons depuis si longtemps, ces réformes heureuses qui vont enfin changer la vie. Je vous remercie. Merci Fabien, merci. Merci Fabien, j'ai le plaisir maintenant d'accueillir Mathilde Panot, présidente
du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de nous retrouver toutes et tous ici. Je voudrais commencer par remercier infiniment toutes celles et tous ceux qui, dans un temps record, ont réussi à organiser cet événement historique. Et il est assez facile de voir que nous vivons un moment historique lorsque nous voyons dehors la panique qui les saisit. Depuis la création de cette nouvelle Union populaire écologique et sociale, et ça ne fait pas si longtemps, nous avons déjà eu beaucoup de noms différents. Le Figaro, par exemple, a titré dans sa une « Cette nouvelle Union populaire, c'est le soleil bolivarien sur une piscine municipale envahie de burkini ». Rien que ça. Alors, les deux autres blocs contre lesquels nous sommes ne sont pas en reste. Le bloc d'extrême droite avec Jordan Bardella, président du Rassemblement national, nous dit « C'est un tournant anti-républicain majeur. Je pense que la gauche se déshonorerait dans ce type d'alliance. Ils sont en train d'établir un fossé entre eux et les principes de la République. » Son homologue chez Reconquête nous dit « Jean-Luc Mélenchon est en train, attention, accrochez-vous, de rassembler les islamistes, les musulmans radicaux, les wokistes et l'ultra-gauche. » Dans le bloc d'extrême marché, François Bayrou nous dit « Ceci serait une telle injure, mais c'est une blague, ce n'est pas réaliste, ce serait une telle offense pour la démocratie et les Français. » Éric Woerth vous explique que nous sommes en train de vendre nos âmes. Stanislas Guérini, Jean-Luc Mélenchon a fait le choix, comme souvent, de mettre ses affaires à lui avant les affaires du pays. Enfin, d'autres comme le président de la République veulent nous donner des conseils. La carpe, ce n'est pas le lapin. Mais il y a un argument que j'ai particulièrement aimé. Sur certains des plateaux télé, ils nous répètent à l'envi que Jean-Luc Mélenchon détourne les institutions. Alors tiens, ils sont en train de découvrir que nous sommes toutes et tous ici des fervents partisans de la 6e République, du référendum d'initiative citoyenne, de l'implication populaire partout et tout le temps dans la République. Et c'est quand même particulièrement savoureux venant de ceux qui ont piétiné l'Assemblée nationale pendant 5 ans, gouverné dans un conseil de défense couvert par le secret défense pendant cette crise sanitaire, gouverné par ordonnance ou même par 49-3. Et nous disons à tous ces gens, nous n'avons aucune leçon à recevoir de vous. Alors, en réalité, ils ont peur. Et ils ont bien raison d'avoir peur. Et leur peur se mesure à l'enthousiasme et à l'espoir que suscite cette nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Ce que nous faisons au contraire, en qualifiant cette élection législative de 3e tour de l'élection présidentielle, c'est redonner toute sa dignité à l'Assemblée nationale, puisque c'est seulement en France, contrairement à beaucoup d'autres pays européens, que cette élection est finalement cachée après cette élection présidentielle. Ils ont fait de ce Parlement une chambre d'enregistrement des décisions du monarque républicain. Nous en ferons le lieu du peuple. Alors, après tout ce tombereau d'injures, ils vous raconteront à l'envi que ce n'est pas possible. Eh bien, ils devraient se poser des questions quand 2 heures seulement après la réélection d'un président de la République, 2 heures seulement après, le sujet sur tous les plateaux médiatiques, c'est de dire que 68% des Français veulent une cohabitation pour empêcher Emmanuel Macron d'appliquer sa politique. Et cette victoire est à portée de main. Les amis, dites-vous qu'avec 50% de participation à ces élections législatives,
Nous pouvons arriver au second tour dans 463 circonscriptions avec 8 élus au premier tour. Avec 60%, ce sont 520 circonscriptions avec un second tour à nous, ainsi que 24 élus au premier tour. Avec 80%, alors là c'est très dur, mais je vous le dis quand même pour vous motiver, c'est 536 circonscriptions, soit la quasi-totalité du pays, plus 37 élus au premier tour. Notre rôle pendant cette campagne est d'aller expliquer partout que oui, avec 289 députés, nous pouvons faire élire Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre avec un gouvernement de cette nouvelle Union populaire. Que oui, avec 289 députés, nous pouvons appliquer notre programme. Et nous rappelons toujours pourquoi nous nous battons avec ce programme partagé et surtout pour qui ? Pour toutes ces femmes et ces hommes qui sont aujourd'hui humiliés dans notre pays, qui sont pauvres, au chômage, victimes de violences, ce sont pour elles et eux que nous nous battons et que nous continuerons à nous battre. Je termine en disant et en rappelant qu'à chaque fois que le peuple est convoqué aux urnes, c'est lui et lui seul qui peut décider du cours de l'histoire. Et j'achève avec ces mots de Verlaine. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? En dépit des sots et des méchants qui ne manqueront pas d'envier notre joie, nous serons fiers parfois et toujours indulgents. N'est-ce pas ? Nous irons gais et lents dans la voie modeste que nous montre en souriant l'espoir. À la victoire ! Merci Mathilde. Merci Mathilde. Et maintenant j'ai le plaisir d'accueillir Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. À toi Julien. Chers amis, nous revoilà. Quelle joie de prendre la parole devant vous aujourd'hui avec les insoumis, les insoumises, les communistes, les socialistes, les écologistes. Tous ensemble pour mener cette campagne des législatives sous cette nouvelle bannière commune, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et c'est une grande fierté pour moi que de vous annoncer, vous savez que nous les écologistes, on aime bien voter, et voter beaucoup, et voter souvent, que nos adhérents et adhérentes qui votaient ces jours-ci ont validé à plus de 80% le fait de rejoindre cette nouvelle Union populaire écologique et sociale. Ça a été dit, cette union, cette nouvelle union suscite énormément de critiques, c'est que nos adversaires sentent que nous pouvons gagner, ils ont raison. On va gagner. On va. On nous avait dit irréconciliable. Et je note que ceux qui disaient ça, qui prédisaient ça, sont désormais à quémander un ministère ou même une circonscription à Emmanuel Macron. Et nous, on est ici, rassemblés, en ordre de bataille, heureuses de nous retrouver pour porter ce projet résolument social et écologique. On nous avait dit aussi que l'Europe resterait un sujet de désaccord insurmontable. La fracture du référendum de 2005, elle était indépassable. Et effectivement, le oui au référendum rendait mal le fait que nous étions, et nous sommes toujours, insatisfaits et insatisfaites de cette Europe-là. Et le non traduisait mal l'attachement au projet européen, mêlé à la révolte, à la colère devant le kidnapping du projet européen par les libéraux, l'austérité, le dumping social et l'inaction climatique. On pouvait voter oui sans vouloir graver ces règles dans le marbre, et on pouvait voter non sans vouloir l'effondrement de la construction européenne. Et ce dilemme était insurmontable. Et plusieurs fois depuis, le camp de la gauche, le camp des écologistes, le camp du progrès s'est fracassé sur ce dilemme. Et pendant ce temps-là, depuis bientôt 20 ans, on a vu ceux qui ont abîmé l'Europe. C'est ceux qui la gouvernent. Ils n'ont rien fait. Sur l'évasion fiscale, sur les services publics, ils n'ont rien fait. Sur la justice sociale, ils n'ont rien fait. Au contraire, ils ont tué l'espoir en Grèce. Et sur le climat, ils n'ont rien fait. Et ceux qui nous disent, la main sur le cœur, qu'ils sont désormais écologistes, ont compté le gaz comme une énergie verte
Ils ont encore récemment refusé l'interdiction du chalutage de fond. C'est cette inaction qui était en train de tuer le projet européen. C'était l'idée qu'il n'y a pas d'autre Europe possible qui nourrit le sentiment anti-européen. Alors oui, nous disons, désobéissons pour sauver l'Europe. Désobéir, oui, mais non pas pour satisfaire les égoïsmes nationaux ou pas pour briser l'état de droit. Désobéir pour réorienter les politiques européennes vers le mieux-disant social et écologique. Et c'est le moment. Les consciences bougent. Après la pandémie, le statu quo, la casse des services publics, ça n'est plus une option. Les critères de Maastricht, c'est fini. Même à la Banque centrale, rendez-vous compte, même à la Banque centrale, on parle désormais d'annulation de la dette. Tous les dogmes ont volé en éclats. C'est le moment. Le Parlement ouvre la voie à une révision des traités. Saisissons cette opportunité. Demain, la France peut être à l'avant-garde d'une coalition pour de nouveaux traités, et en particulier, je salue Marie Toussaint, un nouveau traité environnemental pour que la préservation du vivant l'emporte sur la recherche du profit. C'est possible. Et la France aura des alliés pour le faire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en juin, changer la France, c'est changer l'Europe. Et changer l'Europe, c'est changer le monde. Un autre monde est possible, c'est ce qui se joue en juin. Ce sujet de désaccord, il était insurmontable, il était censé nous diviser à tout jamais. Et je veux vraiment saluer les personnes qui ont fait un pas pour nous rejoindre sur cette position exigeante à l'égard de l'Europe. Nous voulons une Europe qui sera demain un outil de paix et de prospérité au service des citoyens et des citoyennes et du climat. Et c'est cet accord, cette convergence qui permet d'envisager une union et non pas un simple accord électoral. Et nos candidats ou candidates, enfin les anciens et anciennes candidats et candidates, s'y sont pas trompés. Je tiens à leur rendre hommage, à toutes celles et ceux qui laissent leur place pour faire vivre l'union de la gauche et des écologistes. Tous ces candidats, toutes ces candidates qui veulent rendre possible la victoire de leurs idées. Ils ont consenti des sacrifices. Et j'aimerais vous citer un bout du message, puisqu'on est à Aubervilliers, de Pierre Benassaya, candidat écologiste jusqu'à lundi dernier, qui se désiste pour le candidat commun, Bastien Lachaud. Ah ben, j'ai rien dit encore. Je le cite. « Suite à l'accord, je ne suis plus candidat. Loin de considérer ceci comme une défaite individuelle, je me réjouis de cette victoire collective. » Voilà l'esprit qui nous anime. Rendons leur hommage, nous leur devons beaucoup. Cette attitude les honore et nous oblige. Et ce qui nous oblige, évidemment, c'est l'enjeu. Parce que cette union, elle est exceptionnelle, évidemment, mais elle n'est pas encore historique. Ce que nous avons construit n'est pas encore historique, mais pourrait le devenir en juin. Et alors nous renouerions avec les belles victoires sociales et écologiques. Je pense en particulier à ce qui avait pu être fait dans les années 90, la gauche plurielle, avec les écologistes évidemment, avec Lionel Jospin, avec Marie-Georges Buffet, qui nous avait permis des avancées comme les 35 heures, la loi SRU sur les logements sociaux, la couverture maladie universelle, ou le PACS, devenu mariage pour tous. Moi, je n'avais pas le droit de vote à cette époque, mais ces avancées ont changé la vie de millions de gens et gouvernent encore notre quotidien. C'est ça l'enjeu. Du point de vue du climat, c'était à l'époque le protocole de Kyoto. Et l'enjeu aujourd'hui, évidemment, c'est l'application des accords de Paris. Et c'est pour ça que nous voulons et que nous devons et que nous pouvons gagner en juin. Pour mettre en place la réduction de 65% des émissions de gaz à effet de serre. L'impôt de solidarité sur la fortune climatique pour que les riches payent plus et que les pollueurs riches payent encore plus. Le 100% d'énergie renouvelable. La sortie des pesticides et la rénovation thermique des logements, évidemment pour le pouvoir de vivre. Pour l'emploi, pour la santé, pour le climat et aussi pour l'indépendance énergétique. Alors, on a beaucoup parlé des critiques qui nous sont faites, et moi, je finis avec l'espoir qui vient, la joie qui vient. Vous le voyez dans les sourires. Le défi est immense, et la joie qui nous porte est à la hauteur des espoirs qu'elle suscite. Enfin, des familles qui se sont tant divisées vont pouvoir faire campagne, ensemble. N'est-ce pas, Leïla Chélie ? C'est ses amis, ses connaissances qui, d'abord incrédules, se disent... Ça y est, ils l'ont fait. Ils et elles l'ont fait. C'est ces personnes qui se prennent à espérer à nouveau et nous disent «
alors j'irai voter en juin. Et c'est ces personnes qui nous disent, non seulement je n'y croyais plus, mais non seulement j'irai voter en juin, mais je viendrai faire campagne à vos côtés, sous cette bannière commune. Venez comme vous êtes. Soyons à la hauteur de cette attente. Sachons nous en montrer dignes. Nous revoilà, c'est pour la victoire, c'est pour changer la vie des gens. En campagne, merci à vous. Merci, merci beaucoup Julien. Merci à toutes et tous, on va vous laisser, on vous retrouve tout à l'heure. Et vous, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous le sentez, cet espoir? Est-ce que vous voulez nous aider à le transformer en victoire? Alors non seulement on va gagner, mais en plus on va gouverner. Et pour gouverner maintenant, il nous faut un programme. C'est ça. Elle est forte, elle est forte. Normalement, je croyais qu'on avait un petit générique programme. Et nous avons un générique. Ah, un programme de gouvernement. Parce que oui, ce dont il est question aujourd'hui, c'est pas uniquement un accord électoraliste. Tu prends 10 circonscriptions là, 5 circonscriptions ici. Non, ce que nous construisons aujourd'hui et ce qui nous rassemble, c'est un programme ambitieux. C'est un programme de gouvernement. C'est un programme, Julien l'a dit, qui n'occulte aucun sujet. Et face à Macron et Le Pen, face à leur mépris de classe et de race, nous allons construire ensemble sur les mouvements sociaux de ces dernières années. C'est comme ça que nous avons travaillé nuit et jour, ces 10 derniers jours, pour construire un programme commun que nous allons publier avec plusieurs centaines de mesures dans le courant de la semaine prochaine. Et il se construit sur les mobilisations de ces 5 dernières années, sur la mobilisation des Gilets jaunes, contre les retraites, les mobilisations féministes, les marches climat, les mobilisations notamment contre les violences policières. C'est ce programme que nous allons construire et qui sera notre boussole pour les 5 prochaines années. Alors, pour en parler, on vous a préparé une équipe de choc et on accueille Clémence Guettet, Diana Badiop, François Thiollet, Sophie Taillé-Polian, Evelyne Ternant, Stéphane Troussel, Eva Sass et Adrien Caténins. Clémence, on commence par toi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être là, évidemment. Alors, on est là à plusieurs avec une partie de la délégation qui s'est occupée des discussions sur le programme depuis une dizaine de jours. Et Manon et Marine l'ont dit à l'instant, ce programme, c'est vraiment la base de cet accord. C'est pas un accord électoral, c'est un accord avec un programme de gouvernement sur des marqueurs de rupture pour changer réellement la vie des gens dans ce pays à partir du 19 juin. Donc, on a beaucoup travaillé, le travail est encore en cours et on va dévoiler le programme complet la semaine prochaine. Mais en attendant, on voulait prendre la parole sur quelques-uns de ces marqueurs qui vont, vous allez le voir, être centraux pour nous, qui nous permettent de converger politiquement, parce qu'on a beaucoup à faire, les amis, à partir du mois de juin. D'abord, évidemment, dès le mois de juin, il faut qu'on change la vie quotidienne des gens. Pour ça, on va tout de suite bloquer les prix des produits de première nécessité. Et on va tout de suite aussi augmenter le SMIC et augmenter ensuite tous les salaires avec une conférence sociale en invitant les syndicats autour de la table. C'est très important. Dès le mois de juin aussi, on va changer la vie du début jusqu'à la fin. Donc en commençant par les jeunes avec une allocation d'autonomie jeunesse pour qu'ils puissent se concentrer sur leurs études. Et avec le droit à la retraite pour toutes et tous à 60 ans, pour profiter à partir de 60 ans. On va aussi évidemment, dès le mois de juin, en finir avec les privilèges. Ça a été dit, mais un marqueur central pour nous toutes et tous, c'est le rétablissement de l'ISF. Il faut qu'il contribue. Dès le mois de juin aussi, s'atteler aux urgences démocratiques, écologiques, démocratiques avec la 6e République, mais aussi avec le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Et sur le plan écologique, toujours les mêmes, la règle verte comme principe principal et la planification écologique comme méthode. Dès le mois de juin, enfin, agir pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Ça va être développé. Enfin, le milliard demandé par les associations pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et enfin, l'égalité partout dans le pays avec les services publics.
On a le droit de se soigner, d'étudier, pas loin de chez soi, donc il y en aura partout et on va s'y atteler. 2 semaines de travail déjà, et donc il y aura des oratrices, orateurs juste après moi pour vous détailler ces marqueurs qui sont nos identifiants, ceux de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, toujours aux côtés des plus fragiles, toujours pour plus de justice sociale et toujours pour prendre à bras le corps le problème du changement climatique et faire enfin cette bifurcation écologique dont on a tant besoin. Un de nos combats majeurs, c'est le quotidien des gens. C'est le coût de la vie, c'est le pouvoir d'achat. Annie Ernaux, qui a été citée juste avant, disait que tous ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans un hypermarché ne connaissent pas la réalité sociale de la France d'aujourd'hui. Je crois qu'elle a raison et je crois que les macronistes ne doivent pas y mettre beaucoup les pieds au supermarché. Parce qu'ils ne savent pas, ils ont passé des mois à claironner que le pouvoir d'achat, qu'il avait considérablement amélioré, qu'ils avaient fait des miracles pendant ce quinquennat, alors qu'on sait que les seuls effets visibles, ça a été dans le portefeuille des plus riches. Évidemment, pour les plus pauvres, c'est toujours aussi difficile pour celles et ceux qui sont dépendants à la voiture, donc on bloquera les prix de l'essence, on bloquera les prix des pâtes. On fera en sorte que cette peur de la fin du mois, avec les factures qu'on n'arrive pas à payer, avec les sous qu'on doit compter au centime près quand on fait des courses, on fera en sorte que ça change réellement. Et ça, c'est un simple décret. Et Jean-Luc Mélenchon se fera un plaisir de le signer au mois de juin. Merci Clémence. Merci beaucoup Clémence. Maintenant, on va écouter Djenaba. Merci. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Nous avions l'habitude de nous côtoyer parfois, de discuter un peu âprement sur les plateaux télé, mais il y a une chose que nous avons en commun à gauche, c'est que nous croyons à l'école. Nous croyons à son pouvoir émancipateur. Nous savons que l'école de la République, c'est ce qui fait que, d'où que vous soyez, qui que vous soyez, vous êtes un citoyen et une citoyenne qui compte. Moi, ça fait 25 ans que je suis enseignante en lycée professionnel et ce quinquennat de Blanquer a été une véritable catastrophe. Pour la première fois, des inspecteurs, des chefs d'établissement se sont mis en grève et ont dit « stop ». Alors, dès que nous aurons gagné, la première chose que nous ferons, c'est supprimer Parcoursup, parce que nos enfants valent mieux que ça. Pour avoir une école de qualité, eh bien, il faut que les professeurs soient mieux formés. Il faut aussi qu'ils soient mieux payés. Il faut que dans nos services publics, ceux qui donnent du temps pour celles et ceux qui seront notre avenir soient payés dignement. Donc il faudra les revaloriser. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, moi, mes élèves, vous savez ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ne voient pas où sera leur avenir demain. Eh bien, moi, je leur dis qu'avec nous, demain, il n'y aura plus de décrochage scolaire. Parce que nous serons là pour que nos enfants, demain, aient un avenir. Ensemble, on gagne aux législatives. Merci, Djenaba. Merci. À toi, François. Alors, merci. Bonsoir à tous. Je vais un peu casser l'ambiance, mais avant, je voudrais quand même rappeler qu'on va faire en quelques jours ce que, au moment du Front populaire, on a mis 2 ans pour faire, ce qu'au moment du Rassemblement de la gauche, en 98, on a mis quelques mois. En quelques semaines, on va faire un programme complet et vous voyez que finalement, ce qui nous rassemble est bien plus important que ce qui nous divise. Attends. Cette semaine, on a dépassé la 6e limite planétaire. Au début de l'année, on a dépassé la 5e. Il nous reste à ce jour 3 limites planétaires avant d'avoir dépassé toutes les limites planétaires. Dépasser une limite planétaire, ce n'est pas tout de suite l'apocalypse. En fait, c'est le moment de basculement où il va se passer plein de choses qu'on ne sait pas très bien évaluer, qu'on ne sait pas très bien maîtriser. L'enjeu, c'est de pouvoir maîtriser notre avenir, reprendre le contrôle de nos vies. La 6e limite planétaire qu'on a dépassée, c'est celle qu'on ne voit pas, c'est l'eau verte, l'eau qui se trouve dans nos sols, qui est retenue par des micro-organismes, qui est retenue par des plantes. On ne la voit pas, pourquoi ? Parce qu'elle a été détruite par l'agriculture intensive, par la monoculture, par la mondialisation agricole absurde et qui détruit la planète et la biodiversité. Pour changer ça, il faut mettre dans la Constitution une règle d'or climatique, une règle verte qui fasse que chacune de nos décisions tiennent compte de cette règle et qu'on ne prenne pas plus à la planète que ce qu'on lui emprunte. Mais l'enjeu pour nous,
Et c'est ça l'enjeu de la planification, c'est d'aller expliquer, d'aller convaincre, d'aller emmener les gens avec nous pour changer, pour dire que nos modes de vie, nos modes de déplacement vont devoir changer. Quand j'habite à la campagne, que j'ai besoin de deux voitures pour aller travailler, pour emmener les enfants à l'école, il va falloir changer ça. Et ça, c'est pas simple. Il va falloir voir les paysans qui sont enfermés dans des systèmes d'endettement productivistes et les accompagner pour changer de modèle, pour aller vers l'agroécologie. Tout ça, on doit le faire ensemble. Et on doit le faire de manière juste. Merci beaucoup, François. À toi, Sophie Taillé-Poyon de Génération. Merci beaucoup et à quel point nous sommes heureux tous et toutes d'être là. C'est un moment qui fait vraiment chaud au cœur. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est particulièrement nous unis, tous et toutes ici, dans cette nouvelle union écologique et sociale. C'est l'idée de justice. De justice sociale. Et il n'y a pas de justice sociale sans justice fiscale. Est-ce que vous savez que chaque année, depuis le quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a 140 milliards d'euros d'argent public qui va financer les entreprises sans aucune contrepartie ? Est-ce que vous savez qu'il y a 60 milliards d'euros qui ont été rendus, surtout aux plus riches, pour, payer leur yacht, ou je ne sais pas, enfin... c'est pour faire des placements dans l'économie. En fait, ils ont acheté des actions et puis ils se gavent. Alors, ce qui nous unit, c'est la justice sociale par la justice fiscale. Pour financer notre programme, nous avons les moyens de le faire. Financer les services publics. Financer la transition écologique avec la méthode de la planification écologique. C'est ce que nous ferons. Nous en avons les moyens. Ils sont là. Il s'agit juste de le faire. Merci beaucoup. Merci Sophie Taillé-Poyon de Génération. On va passer de l'autre côté du plateau. À toi Marine. C'est ça. Et on va commencer avec Stéphane Troussel, de Seine-Saint-Denis, n'est-ce pas, qui intervient pour le Parti Socialiste. Merci. D'abord, permettez-moi de vous dire bienvenue ici en Seine-Saint-Denis, dans ce département jeune, populaire, de toutes les couleurs, qui fait encore très largement confiance à la gauche, mais qui a depuis des semaines, des mois, été insulté, méprisé, pointé du doigt par tous les racistes, par tous les xénophobes, par les Zemmour, par les Le Pen. Et que vous ayez choisi ici, la Seine-Saint-Denis, pour ce premier rendez-vous de la nouvelle Union populaire écologiste et sociale, c'est déjà un signal que vous envoyez aux habitants de ces quartiers populaires qui aspirent à la dignité et à l'égalité. Eh bien, en matière de santé aussi, voilà le fil rouge que nous devons retrouver, l'égalité. L'égalité en matière de santé, voilà ce que nous réclamons ici en Seine-Saint-Denis pour l'hôpital public. Pour l'hôpital public que la logique comptable et budgétaire a trop longtemps affaibli. Et que nous avons retrouvé affaibli quand il a fallu affronter cette crise sanitaire. Oui, c'est l'égalité aussi pour affronter les défis qui sont devant nous. Les défis qui sont devant nous, c'est lutter contre les déserts médicaux qui affaiblissent nos territoires. C'est répondre à ce défi du grand âge. Oui, même dans ce département de la Seine-Saint-Denis. Parce que quand les personnes âgées, elles restent ici, en Seine-Saint-Denis, elles ont eu les vies les plus dures, elles ont eu les revenus les plus faibles, et donc il va falloir répondre à ce défi du vieillissement et de la perte d'autonomie en matière de santé. Affronter aussi la nécessité de mieux reconnaître et de mieux rémunérer tous ces soignants qui n'en peuvent plus et qui sont épuisés. Et enfin, parce que le temps passe si vite, faire de la santé mentale la grande cause des 5 années qui viennent, dans ce pays où ce système de la psychiatrie, par exemple, est complètement sinistré, et alors que les difficultés en matière de santé mentale, elles entraînent aussi la pauvreté. Et enfin, agir pour la santé environnementale, parce que au nord comme au sud de la planète, c'est toujours les plus fragiles, c'est toujours les plus pauvres qui doivent affronter la pollution, qui doivent affronter la malbouffe, qui doivent affronter les nuisances atmosphériques. Alors égalité aussi en matière de santé. Merci. Merci Stéphane. On passe à Evelyne Ternant pour le Parti communiste français. Voilà. Nous voulons que le travail ne soit plus considéré comme un coût, comme une charge qu'il faudrait à tout prix réduire, mais comme la source inépuisable de la créativité humaine.
Nous voulons répondre aux attentes sur le pouvoir d'achat. C'est pourquoi nous organiserons une conférence sociale sur les salaires, la formation, les conditions de travail et les retraites, et relèverons immédiatement le SMIC à 1400 euros net. Nous voulons reprendre en main notre avenir collectif et ne plus permettre que des vies et des territoires soient gâchés par des décisions lointaines de clubs d'actionnaires guidés par le cours boursier et la logique de rentabilité. Ne plus permettre que notre pays détienne le record européen de la distribution de dividendes. Le CAC 40 a distribué 98% des bénéfices en 2021. La démocratie ne peut pas s'arrêter aux portes de l'entreprise. Un changement majeur de pouvoir économique est à réaliser pour que soit prise en compte l'avis des salariés sur l'organisation du travail, la gestion, les orientations stratégiques et les projets. C'est pourquoi nous généraliserons la représentation des salariés dans les conseils d'administration et établirons de nouveaux droits d'intervention et de décision des salariés dans les entreprises. Nous visons haut et loin. Il faudra bousculer les privilèges, ébranler les rapports de domination. Il faudra conquérir des droits et des pouvoirs. Nous n'y parviendrons qu'avec l'élan des mobilisations populaires qui transformeront la colère d'aujourd'hui en force active et puissante du changement. Merci Evelyne, et on passe à Eva Sas, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Merci Marine, bonjour à toutes et à tous. Alors Aurélie l'a dit tout à l'heure, nous avons uni nos énergies, forces de gauche et écologistes, c'est pour changer le système sur le plan social, fiscal, environnemental, mais c'est aussi pour mettre fin au système de domination patriarcale qui exploite les femmes et qui exploite la planète. Les femmes et la planète ne sont pas des territoires de conquête. Oui, nous devons rompre avec un monde productiviste fondé sur l'exploitation du vivant, comme nous devons rompre avec la domination basée sur la culture du viol et sur les stéréotypes de genre. C'est le terreau des inégalités femmes-hommes, du sexisme, du harcèlement et des violences psychologiques et sexuelles contre les femmes. Alors oui, nous agirons. Nous adopterons une loi de lutte contre le sexisme et les violences faites aux femmes. Nous investirons 1 milliard d'euros pour protéger les femmes contre toutes les formes de violence. Nous augmenterons les sanctions à l'encontre des entreprises qui ne respectent pas l'égalité femmes-hommes. Nous renforcerons le planning familial, nous allongerons la durée des congés parentalité et les rendrons identiques pour les deux parents. Car ce qui nous rassemble dans la nouvelle union politique, populaire, écologique et sociale, c'est la lutte contre toutes les discriminations, qu'elles soient liées à l'origine, à la religion, à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre, au handicap. Et nous mettrons en œuvre un plan d'action global contre ces discriminations. Nous garantirons le droit du sol et nous faciliterons l'accès à la nationalité française. Nous mettrons en place le récépissé de contrôle d'identité pour lutter contre le contrôle au faciès. Et nous adopterons enfin le droit de vote des étrangers aux élections locales. Alors oui, vous l'avez compris, nous voulons ouvrir de nouveaux droits. Nous porterons l'inscription dans la Constitution du droit à la contraception et à l'IVG. Et du droit de mourir dans la dignité. Il est temps que soit instauré dans notre société le droit à une fin de vie choisie. Vous l'aurez compris, la nouvelle union populaire, écologique et sociale, c'est une nouvelle voie pour de nouveaux droits. Notre programme est simple, c'est faire de notre devise liberté, égalité, fraternité, une réalité de fait, un slogan de combat. Merci Eva. Merci Eva, et on passe à Adrien Quatennens, coordinateur de la France Insoumise. Ça va ? Mes amis,
Mes amis, notre rassemblement de Attention. Ce jour et la constitution de cette nouvelle Union populaire, écologique et sociale redonne espoir. Elle redonne espoir à des millions de femmes et hommes qui pensaient qu'à l'issue de l'élection présidentielle, ils seraient condamnés à 5 années de plus de macronisme, un projet socialement brutal, écologiquement irresponsable et qui désormais, grâce au signal puissant que nous envoyons dans tout le pays, savent que le 12 et 19 juin, nous pouvons ôter le pouvoir des mains d'Emmanuel Macron. Parmi les projets funestes que porte Emmanuel Macron, il y a cette affaire de la retraite à 65 ans. Alors mes amis, ils se sont réétiquetés, ils nous parlent désormais de renaissance. Mais la retraite à 65 ans, c'est un bond en arrière de 40 années. La retraite à 65 ans, c'est injuste, c'est cruel, c'est inefficace. C'est injuste d'abord parce que les travailleurs de ce pays produisent bien assez de richesses pour financer la retraite à 60 ans pour le peu que l'on accepte l'essentiel partagé. Parce qu'un salarié d'aujourd'hui produit à lui seul 3 fois plus de richesses qu'un salarié il y a 50 ans. Nous pouvons donc, avec moins de travail humain, financer plus de retraites. C'est cruel parce qu'au sein d'une même génération, il y a des écarts d'espérance de vie considérables. 13 années entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres. 6 années entre un cadre et un ouvrier. C'est cruel aussi parce que l'espérance de vie en bonne santé dans notre pays, elle stagne depuis 10 ans. Et qu'à 62 ans, un quart des hommes les plus pauvres sont déjà morts. Et c'est inefficace car augmenter l'âge de départ à la retraite, c'est aussi aggraver le chômage aux deux extrémités de la vie active. Le chômage des jeunes qui peinent à s'insérer dans l'emploi et le chômage des seniors. Alors, les 12 et 19 juin, voter pour les candidates et candidats de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, c'est faire barrage à la retraite à 65 ans et c'est obtenir la retraite à 60 ans. Et mes amis, ne baissez jamais les yeux face à celles et ceux qui vous disent que ça n'est pas possible. Parce qu'aucun programme politique ne prévoyait, par exemple, que 8 points de la richesse nationale, 200 milliards par an, passent des poches du travail à celles du capital. Et pourtant, ils l'ont fait. Aucun programme politique ne prévoyait les 54 milliards de dividendes versés aux actionnaires l'an dernier. Et pourtant, ils l'ont fait. Aucun programme politique ne prévoyait qu'en 10 ans, les dividendes versés aux actionnaires explosent de plus de 70% quand les salaires n'augmentaient que de 10%. Aucun programme politique ne le prévoyait et pourtant, ils l'ont fait. Eh bien nous, dans notre programme, il y a la retraite à 60 ans et nous la ferons et nous la mettrons en place le plus rapidement possible. Mes amis, c'est un vent d'espoir qui se lève aujourd'hui par ce que nous sommes en train de faire et maintenant, en campagne et les 12 et 19 juin, on gouverne. Merci à toutes et tous. On va faire un petit changement de table ronde. Et Manon, on va parler des candidats. Oui, les amis, vous l'avez vu, nous avons un grand rassemblement. Nous avons des chefs de parti avec nous. Nous avons un logo, un programme. Et maintenant, nous avons des candidats à l'image de la France, qu'ils soient boulangers ou femmes de chambre, qu'ils soient finalement représentants chacune et chacun de la diversité de la France, ils seront notre fierté et dès le mois de juin, ils seront notre majorité et nous avons le plaisir d'en présenter quelques-uns aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des candidats dans la salle? Il paraît qu'il y en a. Il paraît qu'il y a aussi des suppléants. Et il paraît même qu'il y a des directeurs de campagne. Eh bien, on leur souhaite bon courage à ces derniers, car vous devez envoyer les candidats à l'Assemblée, n'est-ce pas? Nous avons quelques candidats sur scène, nous allons en entendre certains d'entre eux, certaines. Ils vont vous parler d'urgence sociale, ils vont vous parler d'urgence démocratique, ils vont vous parler d'urgence écologiste. Et on va commencer par l'urgence sociale avec Caroline Fiat, Loïc Penn, Rachel Keke, Sandra Régol, Jérôme Guedge, Nadera Beltrèche et Anthony Smith. Là-bas. Et on va commencer avec Caroline Fiat.
de la France Insoumise. Bonjour tout le monde. J'ai la spécificité, j'avais la spécificité en 2017 d'être la première aide-soignante à rentrer à l'Assemblée nationale. Depuis ce matin, j'ai croisé énormément de soignants qui auront à cœur, avec moi, parce que notre voix sera plus seule les 12 et 19 juin quand nous gagnerons cette majorité, à changer la vie dans nos EHPAD, dans nos hôpitaux, dans nos MAS, dans nos IME. La maltraitance institutionnelle, gouvernementale d'Emmanuel Macron, avec nous, ce sera fini. Enfin, avec nous, des vrais députés de terrain qui connaissons la vraie vie, nous pourrons dire stop à toutes ces douleurs que nous avons connues, à toutes ces bêtises que l'on a pu voir fermer des lits pendant une crise, pendant la pandémie, nous faire travailler sans masque, sans gants, sans blouse avec nous, on se sera fini, plus jamais ça n'existera. Nous ferons aussi beaucoup de choses pour la psychiatrie, pour toutes les personnes en situation de handicap qui ont besoin de voir leur vie changer. Avec nous, un autre monde est possible. Avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, nous allons enfin rendre les gens heureux, les soignants heureux, les usagers heureux, et la vie sera beaucoup plus belle. Merci beaucoup, Caroline. À toi, Sandra. Effectivement, on a des chantiers immenses à relever, dont un qui nous concerne toutes et tous, qui est le logement. Ce logement qui grève nos loyers, qui grève nos finances, pardon, à travers les charges, à travers les traites, à travers tout ce que ça représente, et qui empêche beaucoup, beaucoup de personnes d'avancer. Et ce logement, en fait, il fait aussi le lien entre nos combats sociaux et nos combats environnementaux. Cet habitat indigne, ces habitats qui nous obligent à chauffer énormément, altèrent à la fois notre santé et le climat. Et ce combat-là, il est extrêmement concret, et on a les moyens, à partir de fin juin, de le relever. Un combat qui nous rappelle que lutter contre la faim du mois, que lutter contre la faim du monde, c'est quotidiennement et c'est concrètement un seul et même combat qu'on souhaite et qu'on va relever ensemble. Et pendant... Merci, merci. Et ça passe par des choses très très concrètes qu'on a déjà évoquées tout à l'heure. Ça passe par exemple par une garantie universelle des loyers qui permet de sauver, d'empêcher les gens de ne pas pouvoir se loger. Alors pour les écolos, ça sonne un petit peu particulier, la garantie universelle des loyers, parce qu'il y a une ancienne ministre écologiste qui l'avait poussée, qui l'avait fait passer, et que d'autres gouvernements, d'autres élus qui aujourd'hui pointent du côté d'Emmanuel Macron ont très très vite enterré. C'est une revanche qu'on doit prendre parce qu'elle est concrète dans la vie de chacun. C'est aussi une garantie d'autonomie pour les jeunes, parce que l'accès au logement pour les jeunes, c'est une priorité. Et c'est enfin 700 000 logements à énergie positive, des logements qu'on va rénover chaque année. Vous savez, cette promesse d'Emmanuel Macron de rénover des logements qu'il n'a jamais tenu, comme l'ensemble des promesses qu'il fait. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est un véritable bouclier logement pour entrer dans une politique d'égalité pour toutes et tous. Ce qu'on vous propose, c'est que ce bouclier, ce soit à la fois un bouclier social et environnemental, et pendant que Macron promet, pendant qu'il promet de mieux ne pas agir, nous, on vous le promet, on sera là pour agir. Merci beaucoup, Sandra Rigol d'Europe Écologie Les Verts. Et j'ai le plaisir d'accueillir Rachel Keke de la France Insoumise et de l'Union Populaire. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons mené une lutte pendant 22 mois contre le grand groupe Accor hôtelier. Nous avons mené cette lutte parce que, vous savez, la sous-traitance, c'est la maltraitance. La sous-traitance, c'est le rabaissement. La sous-traitance, c'est l'humiliation. La sous-traitance, c'est la perte des dignités. La sous-traitance, il y a du viol dans la sous-traitance. C'est ce que nous, les femmes de chambre et gouvernantes de l'hôtel Ibis Les Batignolles, avons subi. Nous avons mené cette lutte jusqu'à la victoire.
et pourquoi pas aller à l'Assemblée nationale pour décider des lois concrètes. C'est nous les essentiels. C'est nous qui faisons la France. C'est nous qui faisons la France. Tout peut s'arrêter. Si nous ne travaillons pas, il n'y a pas de France. Nous, les essentiels, les agents de sécurité, les EHPAD, les personnes âgées, les infirmières, les aides-soignantes, sans nous, il n'y a pas de France. Sans nous, il n'y a pas de France. Sans nous, il n'y a pas de France. Les métiers essentiels, nous sommes importants dans cette société. Si nous disons que nous ne travaillons pas, la France stop. Pendant le Covid, qui était à l'œuvre? C'est nous. Pendant le Covid, qui était à l'œuvre? Qui mettait la vie en danger? C'est nous. Il est temps qu'à l'Assemblée nationale, nos métiers soient visibles, pas invisibles. Il est temps. Il est temps qu'à l'Assemblée nationale, nous votons des lois concrètes. Il est temps. Il est temps, le moment est arrivé, parce que c'est nous qui sommes dans ce métier. C'est nous qui savons comment plaider notre cause. C'est nous les essentiels. Merci. Merci beaucoup. Merci Rachel. Merci. L'Union populaire. Merci Rachel. L'Union populaire. Et on sera fiers. L'Union populaire. La lutte est paye. L'Union populaire. L'Union populaire. L'Union populaire. L'Union populaire. L'Union populaire. Merci. Merci Rachel. Et on sera fiers de te compter à nos côtés à l'Assemblée nationale. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir Loïc Penn du Parti communiste français. Loïc Penn qui est en grande difficulté après une telle intervention pour faire mieux. Hein. J'avoue que là, en tout cas, voilà ce que ça représente nos candidatures. Moi, je serai candidat de notre nouvelle Union populaire écologique et sociale dans l'Oise. Je m'engage avec tous les candidats à appliquer dès juillet notre programme de rupture qui répondra aux urgences, augmenter les salaires, mettre la retraite à 60 ans, mais plus largement, et je rebondis sur ce que disait Caroline, moi je suis médecin urgentiste. Les services publics aujourd'hui sont dans un état de déliquescence. On est honnêtement proche d'un effondrement de l'hôpital public. C'est ce qu'on est en train de vivre. Des urgences qui ferment la nuit, c'est Laval, des urgences, même le CHU d'Amiens aujourd'hui qui se pose des questions pour continuer à travailler. Et on travaille dans des conditions affreuses. On maltraite les gens. On maltraite les gens. On aura besoin de sortir de cette austérité pour tous les services publics, en particulier pour la santé. On aura besoin d'arrêter d'emprunter à des banques privées, mais d'emprunter directement à la Banque européenne, puisqu'aujourd'hui, on vit à l'hôpital un véritable impôt privé. On peut emprunter directement avec un pôle public bancaire à 0%, immédiatement nous financer tout de suite la formation, et on le fera, financer la formation de professionnels de santé, des infirmières, des aides-soignantes, des médecins, des ambulanciers, des manip radio, il y a plein de métiers à l'hôpital. On a besoin largement de revenir là-dessus et on le portera tous ensemble à l'Assemblée. Et j'essaye de faire mieux que Rachel, mais je peux pas. Merci Loïc. On sera content de t'avoir aussi à nos côtés, Loïc. À toi, Marine. Alors, on passe de l'autre côté de la scène et on va commencer avec Jérôme Guelch, qui paraît-il est candidat en Essonne. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi une petite remarque. Une vie politique, une vie d'engagement à gauche, une vie militante, elle est faite de rencontres fondatrices. Moi, j'ai eu cette chance il y a 35 ans du côté de Massy. Elle est faite de combats partagés, elle est faite de succès, d'échecs dans des campagnes électorales, dans des mobilisations associatives, dans des grèves, dans des combats syndicaux. Elle est faite de grands moments de bonheur, elle est faite aussi de disputes, parfois de controverses, quelquefois de ruptures et aussi parfois de retrouvailles. Et donc, moi, j'ai une émotion particulière ce soir. Dans ces retrouvailles. Et je vois beaucoup de visages très familiers. Je viens de Massy où tant de choses ont commencé pour beaucoup d'entre nous et j'aurai l'honneur en effet de porter aux législatives l'Union populaire. Et puisqu'on ne l'a pas encore fait, je le fais parce qu'il y a un candidat insoumis qui avait été désigné et qui s'est désisté. Il s'appelle Philippe Juravert et à travers lui, je voudrais qu'on applaudisse tous les candidats communistes, socialistes, écologistes et insoumis qui se sont retirés pour faire vivre l'Union populaire. Nous, en Essonne,
En Essonne, on a face à nous Amélie de Montchalin, la ministre du gouvernement, celle qui incarne avec le plus de morgue la manière dont ils ont pu appréhender cette question de l'urgence sociale. Je la cite, elle disait quand elle était députée, « Nous avons fait notre boulot de députée en supprimant l'ISF. » Oui, ils ont supprimé l'ISF pour 350 000 ménages fortunés et dans le même temps, ils ont privé de milliards de recettes pour des politiques. Et moi, je veux insister dans le temps qui me reste sur une politique parce que nous avons tant de points de convergence. Nous sommes différents, mais nous sommes complémentaires. Nous sommes unis, mais nous ne sommes pas unifiés. Nous avons des choses qui nous rassemblent, la planification écologique, la justice sociale, le pouvoir d'achat, la 6e République, l'universalisme républicain et la laïcité, la réorientation de l'Europe, tout ça nous l'avons en patrimoine en commun. Et nous avons aussi la volonté de conquérir de nouveaux droits. Et je le dis sous l'œil de Caroline Fiat, moi je suis un militant de l'âge. Ce quinquennat a été celui de l'échec de la révolution de la longévité, de la prise en compte de la situation des personnes âgées dans ce pays. Ils ont procrastiné. 2 millions de personnes âgées isolées, dont 500 000 en situation de mort sociale, 600 000 chutes de personnes âgées chaque année, dont 9 000 qui vont décéder, des aides à domicile pressurées et mal payées, des professionnels en EHPAD en nombre insuffisant, des aides soignantes, des infirmières, des médecins coordonnateurs qui ne sont pas là la nuit. Alors oui, nous accompagnerons le grand âge par les seuls outils qui vaillent quand il est question de solidarité. La logique de la sécurité sociale dans laquelle chacun contribue en fonction de ses besoins et reçoit en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses moyens. Et oui, nous créerons un service public du grand âge. C'est cela qui nous permettra d'avancer. Mes amis, je termine avec le philosophe Bergson. L'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver, c'est ce que nous ferons. Alors nous avons 6 semaines pour faire et pour changer d'avenir. Merci, Jérôme. J'ai à présent l'honneur de vous présenter Nadera Beltrèche, qui représentera nos couleurs dans les sons. C'est ça aussi. Il marche ? Il fonctionne ? C'est une séquence et sonne. Oui, alors bonsoir à toutes et à tous. Moi, je voudrais vous parler de l'urgence sociale dans les quartiers populaires. L'urgence sociale dans les quartiers populaires, c'est une urgence vitale. On l'a vu pendant le Covid, avec une mortalité 2 fois plus élevée pour les personnes nées à l'étranger, dont les plus précaires vivent souvent dans les quartiers populaires et ont été les premiers de corvée. Oui, les habitants des quartiers populaires vivent en moins bonne santé et moins longtemps. Quelques chiffres. En Seine-Saint-Denis, on a 2 fois moins de chances de survivre à un arrêt cardiaque que dans les Hauts-de-Seine. Une étude de l'INED, parue en 2019, a révélé une surmortalité des jeunes issus d'immigration maghrébine de deuxième génération. Le travail universitaire sur les causes de cette surmortalité et de manière générale sur les discriminations, sera soutenu avec nous au lieu d'être considéré comme une menace contre la République. Dans les quartiers populaires, on cumule les difficultés. Logement exigu, insalubre, coût élevé d'une alimentation saine, métier pénible, manque d'accès aux soins. L'urgence sociale dans les quartiers populaires, c'est aussi une urgence écologique. Car la dépendance à l'automobile y est souvent plus grande et qu'un certain nombre de quartiers sont à proximité d'axes routiers polluants. C'est une urgence pour l'accès à l'emploi, alors que dans certains quartiers, le chômage y est 3 fois supérieur à la moyenne nationale. C'est une urgence contre les violences. Dans l'Essonne, où je suis candidate, des adolescents sont morts dans des violences interquartiers, parfois même dans la même cité, car la précarité sociale des familles, des écoles fragilisées, le manque de soutien aux associations conduisent à briser des parcours et des vies. C'est une urgence contre le racisme, contre les discriminations à l'emploi, la stigmatisation, contre les théories meurtrières et nauséabondes du grand remplacement. Ayant grandi dans un quartier populaire de la banlieue parisienne, je connais cette violence et ces maux de l'intérieur. Je me suis engagée sur ces enjeux dès 2005, quand les quartiers populaires se sont révoltés après la mort de Zied Ebouna, mort électrocuté dans une centrale EDF, après avoir fui un contrôle de police. Et on sait que c'est lors de ces contrôles que les violences policières s'exercent le plus. Alors beaucoup d'habitants des quartiers populaires ne se reconnaissent pas dans les institutions et dans des partis qui ne leur ressemblent pas. Si je suis élue, je souhaite poursuivre ces luttes. Et avec l'Assemblée et les députés de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, nous porterons ensemble ces combats pour construire une France plus juste et qui nous ressemble. Merci, Nadera. Merci.
On quitte l'Essonne, je vous emmène dans la Marne avec Anthony Smith, syndicaliste et inspecteur du travail. Ouais. Bonjour. Oh là là, quel moment quoi, c'est extrêmement impressionnant. On parle souvent d'urgence sociale. L'urgence sociale, pour nous, ce ne sont pas des mots. Pour nous, ce sont nos conditions de vie. Nos conditions de vie, notamment au travail. Nous avons eu, toutes ces dernières années, tellement de luttes contre. Tellement de luttes contre les attaques sur les syndicalistes, au travail, sur leur soutien, sur les licenciements abusifs, sur les plans sociaux qui se sont multipliés. Tellement de luttes contre les attaques du Code du travail qui ont vidé des pans entiers de la réglementation sociale de ce pays. Tellement de luttes, mes camarades et amis, que nous allons aujourd'hui tourner la page de ces luttes. Que nous allons, oui, continuer à lutter parce que c'est notre ADN. Toujours, nous lutterons. Mais nous allons lutter pour, nous l'avons dit, le salaire minimum à 1 400 €, les 60 ans, pour de réelles conditions de travail dignes pour les salariés de ce pays. Et ça, nous allons le faire dans la lutte. Et parce que nous allons lutter, cette fois-ci, nous allons gagner tous ensemble. Merci Anthony. Merci à vous. Merci à vous. Après l'urgence sociale, nous voulons bien entendu répondre à l'urgence écologique. Et pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir Bastien Lachaud, Julie Ernos, Sarah Kernisch, Aline Lotulula, Véronique Mahé, Julien Mignacca et Aymeric Caron. Je vous en prie, prenez place. Et on va commencer avec Bastien Lachaud. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous accueillir à Aubervilliers, cette ville qui m'a fait l'honneur de me désigner député il y a 5 ans. Mais une ville où 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Une ville dans laquelle, pour des centaines de personnes, la faim est un problème quotidien. Et au niveau national, ce sont 8 millions de Français qui, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, vivent de l'aide alimentaire et connaissent la faim tous les mois, à la fin de chaque mois. Et cela, il faut en finir. Alors pour en finir, il faut évidemment augmenter le SMIC pour éradiquer la faim. Il faut augmenter le SMIC, il faut bloquer les prix des produits alimentaires. Il faut faire la gratuité des cantines scolaires. Ce n'est pas possible que des enfants étudient en ayant faim. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut réformer profondément tout notre système agricole. Il faut en finir avec cet agro-business qui fait que beaucoup se gavent de subventions publiques et organisent des pénuries, organisent aussi le fait, tout simplement, que les paysans soient les premières victimes de ce système. Un paysan se suicide tous les jours dans ce pays. La moitié des paysans vivent également sous le seuil de pauvreté. Nous avons un système agroalimentaire qui détruit l'humain, qui détruit la nature, qui maltraite les animaux. Et il faut en finir. Alors, il faut profondément réformer. Il faut financer la transition vers l'agriculture biologique de manière massive. Il faut libérer les paysans de la dette parce qu'on les a fait s'endetter pour acheter des matériaux, pour acheter du matériel qui, au final, ne sert qu'à polluer et à détruire. 30% des émissions de gaz à effet de serre du pays sont produits par l'agriculture intensive. Nous devons sortir de ce modèle parce que ce qu'a fait Macron pendant 5 ans, c'est obéir au lobby de l'agro-business. On l'a vu à l'Assemblée nationale. C'était la FNSEA qui faisait les lois sur l'agriculture. Cela n'est pas possible. Quand nous aurons la majorité à l'Assemblée nationale, ce ne sera plus le cas. Les lobbies rentreront chez eux et c'est le peuple qui décidera comment on doit produire de la nourriture, comment on rendra la France à nouveau autosuffisante de manière alimentaire et comment nous éradiquerons la faim dans ce pays. Merci, merci. Bastien. Julie Lernos d'Europe Écologie Les Verts. Alors, dans mon territoire, en Loire-Atlantique, on a l'habitude de mener les combats. De mener les combats contre les émissions de gaz à effet de serre, contre les projets qui n'ont pas de sens, qui ne font pas de sens et qui sont climaticides.
Nous avons lutté contre une centrale nucléaire au Carnet et nous avons gagné, tous ensemble, les militants de gauche, les militants écologistes, les syndicalistes, les mouvements sociaux. Nous avons lutté contre un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes et nous avons gagné, tous ensemble, les syndicalistes, les paysans et les militants de gauche. Nous avons également gagné contre l'implantation d'un nouvel hangar Amazon. Je regarde le député, M. Benaglis, qui était avec nous pour lutter contre l'implantation d'un hangar Amazon à Montbert. Et nous l'avons là aussi gagné. Mais par rapport à l'urgence écologique qui est là, qui est prégnante, nous pouvons et nous devons continuer de nous battre et nous allons continuer de nous battre pour gagner des combats. Mais nous devons aller plus loin. Nous devons, pour protéger celles et ceux qui souffrent du dérèglement climatique, qui sont soumis à l'augmentation des prix et des énergies fossiles, nous devons construire les alternatives à la voiture, construire les alternatives aux solutions qui polluent également notre planète et qui obèrent nos conditions de vie. Et donc oui, nous lutterons ensemble, nous gagnerons ensemble pour le pouvoir de vivre, pour l'écologie, pour l'urgence écologique. Merci à vous. Merci Julie. On passe de mon côté avec Sarah Kerich, candidate dans le Nord. Mes chers amis, nous nous sommes tant manqués. Nous nous sommes tant manqués et il a fallu être au bord du précipice du vivant pour nous retrouver. Cette nouvelle union populaire, écologique et sociale n'est pas seulement une union électorale. Nous portons une ambition écologique inégalée à travers la planification, à travers la protection des communs, à travers la règle verte qui aujourd'hui va faire en sorte que nous n'allons plus dépasser les ressources chaque année, ce que nous faisons jusqu'à présent. Et par cette même occasion, par cette union, nous sommes redevenus ce que nous étions, c'est-à-dire un vivant parmi les autres, un vivant qui pense et un vivant qui doit protéger le reste de son environnement. Alors, sans rien renier de l'humanisme qui nous a précédés, nous renouons avec la pensée des anciens, des utopistes du XXe siècle, et nous renouons avec l'ambition d'un monde ordonné, juste, régulé, dans lequel nous pourrons tous vivre en paix. Alors, comment allons-nous faire? Nous le ferons par le droit des générations futures, le droit que nous allons offrir aux générations à venir de pouvoir vivre en paix. Nous allons passer, comme le disait la juriste Mireille Desmarty, des États solitaires aux États solidaires, en fermant les aéroports, en relançant l'agriculture biologique, en créant les conditions pour chacun de vivre dans un monde plus juste, nous allons créer un nouveau contrat de civilisation que nous allons inscrire dans le temps et avec les autres espèces. Créons les conditions de l'écologie qui nous protège. Créons une écologie de guerre pour avoir la paix. Isolons nos maisons pour isoler les pays qui aujourd'hui, forts, qui produisent du gaz, qui malheureusement détruisent les ressources pour nous nourrir et pour nous chauffer. Je pense que ma génération, notre génération est prête à relever ce défi et ce défi commence en juin prochain avec vous tous, avec nous tous. Merci beaucoup Sarah et on passe à Aline Lo-Toutala qui est, paraît-il, la suppléante de Bastien Lachaud ici, tu vas nous en dire plus. Ah non, ça c'était pour la fin, mais bon. Bonjour à tous. Alors, Aline Lo-Toutala, militante contre le passoire thermique, ici même à Aubervilliers. Alors, ces logements mal isolés, où vivent plus de 5 millions de Français, ces familles abandonnées face aux problèmes qu'ils traversent, dépression, bronchite chronique, et pendant que d'autres ferment les yeux face à cette situation, d'autres restent éveillés car ils ont trop chaud l'été et trop froid l'hiver. Ils vivent dans un environnement néfaste, décoré par des moisissures tout le long des murs. Ils ont honte car incapables de protéger leurs enfants. Les passoires thermiques produisent des gaz à effet de serre, donc des conséquences climatiques. Au fil des jours, ces familles s'enfoncent de plus en plus financièrement. La pauvreté frappe à leurs portes.
Ils ne peuvent pas s'en aller, car surendettés. Ils frappent à toutes les portes, mais qui les écoutera? À Aubervilliers, grâce à la lutte que je mène au sein de l'Alliance citoyenne, certains locataires ont été relogés, dont moi-même. D'autres ne veulent pas s'en aller. Après tout, ils sont chez eux et ils ont leurs habitudes. L'État doit isoler ses logements. Dans la nouvelle Union populaire écologique et sociale, nous voulons obliger les propriétaires à faire des travaux de rénovation. Nous voulons réquisitionner les logements vides pour reloger les sans-abri. Alors tout est possible aux élections législatives. À vous de jouer. Merci Aline. Merci Aline. Maintenant, c'est au tour de Véronique Mahé du Parti communiste. Chers amis, chers camarades, candidate en Loire-Atlantique, je porterai nos couleurs sur la terre où je vis, où j'ai grandi, où je suis élue. Une terre de contraste avec d'un côté la Baule et le littoral balafré bétonné par la droite, mais aussi les marais salants de Guérande, la Brière, des familles populaires qui travaillent à Saint-Nazaire, dans l'industrie ou ailleurs. La nature y est partout. La crise climatique bien présente et pour les habitants, les mêmes problèmes de transport, de logement, de chauffage, d'isolation. Autant le dire tout de suite, pour nous communistes, il n'y aura aucune issue à la crise écologique sans s'attaquer au court-termisme destructeur du capitalisme financiarisé. Quand on force les entreprises à d'improbables taux de rendement à deux chiffres, le résultat est le même pour les hommes et la planète. L'épuisement, la surexploitation des hommes et des ressources naturelles, une course folle vers la catastrophe écologique et sociale. Alors oui, ensemble, ici rassemblés, nous voulons changer de modèle de production en relocalisant les productions industrielles nécessaires, en favorisant pour le fret un couple transport ferré, transport maritime et fluvial garanti par les investissements nécessaires, en garantissant aux familles, aux familles populaires et aux salariés le droit à la mobilité avec des transports propres, en votant dès le début de la mandature une loi de programmation ambitieuse pour isoler les logements et les bâtiments, en créant un service public de l'eau pour harmoniser les tarifs des usagers sur l'ensemble du territoire national et garantir la protection de ce bien commun essentiel, en conditionnant et en contrôlant les fonds publics versés aux entreprises à des résultats concrets en matière de transition sociale et écologique, en gagnant de nouveaux droits aux travailleurs pour décider de leur avenir dans l'entreprise, comme c'est le cas chez nous, à Cordemay, où il a fallu des années de lutte pour que les salariés soient enfin entendus et obtiennent un projet de transition écologique. Chacun sait qu'on ne peut pas parler d'écologie en deux minutes. Deux mots pour conclure, social et écologie, parce que les deux défis sont intimement liés et que nous ne réussirons pas l'un sans l'autre. Merci Véronique. Julien Mignacca, d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir. Déjà, c'est une joie d'être réunis tous ensemble ici pour lutter en fait ensemble contre le plus grand défi de notre époque, le changement climatique. Ce changement, cet événement qui s'annonce à nous résonne en chacun de nous parce qu'il nous met en difficulté. Il met en difficulté nos modes de vie sur nos territoires. Concrètement, moi, je suis méditerranéenne, je suis de l'Hérault. La conséquence principale sera la sécheresse et les inégalités d'accès à l'eau. Ça va repenser complètement tous nos modes de solidarité et ce qui se pose à nous en termes d'égalité sociale. Cette catastrophe qui nous menace, vous le savez, est générée par une activité humaine complètement détraquée, ivre de productivisme et de surconsommation. Les origines de tout cela, la consommation d'énergie qui croît de manière exponentielle depuis le 19e siècle, de manière doublée depuis les années 70, et qui produit du CO2 dans l'atmosphère et augmente la chaleur du climat. De ce fait, ce modèle et ceux qui le défendent nous emmènent vers la chute de notre civilisation. Le premier d'entre eux, nous le connaissons tous, il s'agit d'Emmanuel Macron. Condamné pour inaction climatique,
Il désobéit aux lois qui poussent l'État français à faire sa transition sur les énergies renouvelables et nous conduit dans l'impasse. Pourtant, un autre chemin est possible. Nos voisins portugais nous ont montré l'exemple où aujourd'hui, ils ont réussi à avoir leur mix énergétique composé de 65% d'énergie renouvelable. Il est donc urgent d'agir. Le GIEC nous donne 3 ans, un demi-quinquennat. Pour ça, il nous faut des lois ambitieuses, des lois protectrices, selon 4 principes fondamentaux. La sobriété, c'est-à-dire éviter tout le gaspillage énergétique. L'efficacité, rendre nos bâtiments compatibles, l'efficacité, le renouvelable, et tout accessible à tous et à tous pour la justice sociale. Oui, un autre monde est possible. Merci Julia. Et pour finir, Aymeric de Rêve. Aymeric Caron. Bonjour. La Rêve, la révolution écologique pour le vivant, est née d'une certitude, c'est que la question des droits du vivant doit devenir centrale aujourd'hui dans un nouveau projet politique. Alors les droits du vivant, ce sont les droits des humains, évidemment, mais ce sont aussi les droits des non-humains, mais aussi les droits des fleuves, des mers ou des forêts. C'est ça le vivant aujourd'hui qu'on doit protéger. Autre certitude, ces droits du vivant, on ne pourra pas les protéger dans le système actuel. Donc il nous faut une écologie de rupture avec le capitalisme prédateur. Il faut une écologie qui refuse que le PIB ou le taux de croissance nous soit présenté comme des marqueurs de progrès. Parce que souvent, c'est l'inverse. C'est pour ça que nous, dans l'Union populaire, on porte cette règle formidable, la règle verte, ne pas prendre plus à la nature que ce qu'elle peut régénérer en un an, puisque vous le savez qu'il y a 2 jours en France, c'était déjà le jour du dépassement. Il y a une question, évidemment, qui m'est particulièrement importante, mais elle est importante, je crois, pour chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est la question des droits des animaux. On va se battre pour que ferment les fermes-usines, pour qu'on cesse avec ce système d'exploitation absolument intolérable des animaux. 3 millions d'animaux sont tués chaque jour dans nos fermes-usines comme ça. Et puis les maladies qui découlent évidemment de ces systèmes. On se battra également contre les pratiques les plus cruelles de la chasse. On se battra pour que les animaux ne souffrent plus inutilement. Et puis un point qui n'est pas anodin, mais qui est très intéressant également dans le programme que nous portons tous, c'est l'alimentation et la question des protéines animales et végétales. Vous savez que, comme nous le recommandent tous les scientifiques du climat, nous nous battrons pour que la part des protéines animales baisse dans notre consommation. Pour résumer et pour terminer, je dirai un mot qu'on se bat. Pourquoi ? Pour l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Merci Aymeric, merci à toutes et à tous. L'harmonie des humains et des socialistes, des communistes, des insoumis et des écologistes. Alors, on vous a parlé urgence démocratique, on vous a parlé urgence sociale, pardon, on vous a parlé urgence écologique, et maintenant on va vous parler d'urgence démocratique avec Charles Fournier, Daniel Obono, Bruno Autin, Emma Fourreau, Sabrina Sebailly, Anna Pic et Antoine Payon. À toi Charles. Charles Fournier de Europe Tour. Écologie Les Verts et de Tours. Et de Tours. Alors quel plaisir d'être là, quel bonheur, quelle énergie. Ça fait évidemment chaud au cœur et ça donne beaucoup d'espoir pour sortir enfin de la monarchie présidentielle incarnée de manière absolue par Emmanuel Macron avec tous ses excès jupitériens. Alors oui, nous avons une 5e République inadaptée aux défis qui sont ceux d'aujourd'hui. Oui, nous devons aller vers une 6e République, une démocratie collective, une démocratie permanente, une démocratie populaire. Pour réussir cette démocratie, il faut d'abord abroger toutes les lois liberticides qui ont été prises dans ce pays pendant ce quinquennat. Sortir de l'état permanent d'insécurité qui nous est proposé par la loi, par la loi sur la sécurité globale, sur la loi sur le séparatisme. Il faut abroger toutes ces lois. Et puis, il nous faut créer de nouveaux droits pour le Parlement, de nouveaux droits pour les collectivités territoriales, pour les syndicats, pour les associations, c'est indispensable.
Et au-delà de tous ces droits, moi je crois, comme élu local, qu'il est indispensable de donner un débouché politique à toutes les initiatives citoyennes qui tous les jours sont en train de fabriquer le monde de demain. Nous les voyons autour de nous, elles sont là. Dans ma ville, quand 1500 citoyens se mettent ensemble pour faire revivre un lieu mythique de culture et que les pouvoirs publics sont à côté de ces citoyens, ça marche. Et nous, ils ont besoin de ce débouché politique. Et ce débouché politique, c'est nous. C'est la nouvelle Union populaire écologique et solidaire. Dans ma circonscription, avec ma suppléante qui est ici dans la salle Marie Quinton, nous avons déjà commencé notre campagne. Nous étions plus de 100 pour préparer cette campagne. Nous avons fait vivre cette démocratie dans nos soirées préparation. Nous la ferons vivre pendant la campagne et nous la ferons vivre demain à l'Assemblée nationale, en chemin vers la victoire. Merci Charles. Daniel, à toi. Daniel Obono, député France Insoumise. Bonjour à tous et toutes. Bonjour. Ça va la famille ? Eh bien, prenez de la force, prenez de l'énergie, parce que non seulement pour gagner, il va falloir en avoir, mais surtout pour gouverner, il va falloir beaucoup de force et d'énergie pour remettre sur pied tout ce que la Macronie a cassé au cours de ces 5 dernières années. Et notamment, ce qui est un des piliers de la République et de la démocratie, la question de la justice. Rendez-vous compte, au pays des droits de l'homme, 40 000 personnes ont été abusivement condamnées en 2018 et 2019. Au pays des droits de l'homme, plus de 2 000 personnes ont été blessées dans des manifestations, plus de 350 à la tête, plus d'une trentaine d'éborgnés, 6 personnes ont eu leurs mains arrachées, 4 sont mortes. Voilà le bilan de la Macronie. Et donc il va falloir, oui, rendre justice à toutes ces victimes. Voilà pourquoi, parmi les premières mesures que nous mettrons en place, ce sera une loi d'amnistie. Une loi d'amnistie des Gilets jaunes. Une loi d'amnistie pour restaurer la justice, mais aussi la dignité de ces personnes dont les vies ont été brisées. Nous mettrons également en place une commission vérité et justice, parce qu'il y a des responsabilités directes sur le terrain, mais il y a aussi des responsabilités politiques. Nous rendrons justice et nous ferons la vérité sur tous les cas de violence policière, de violence judiciaire et de harcèlement. Mais la justice, ce n'est pas simplement celle à restaurer par rapport aux abus de l'arbitraire de l'État, c'est celle au quotidien, la justice de tous les jours. Et pour cela, il faudra donner des moyens, des magistrats, des greffiers, l'ensemble des personnels. Il faudra les former à la question des discriminations, du racisme et des violences faites aux femmes, pour que toutes les victimes de discrimination au quotidien soient accueillies dans la justice. Donc oui, nous avons du boulot. Oui, comme nous le disons dans les manifestations, pas de justice, pas de paix. Il faut la justice pour la paix et pour la dignité. À la bataille, à la victoire, les amis. Merci Daniel, et j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Notin du Parti communiste. Oui, j'interviens sur l'éducation. Dans son premier édito pour l'Ordine Nuovo, Gramsci, fondateur du Parti communiste italien, écrivait « Instruisez-vous, parce que nous aurons besoin de toute votre intelligence. Agitez-vous, parce que nous aurons besoin de tout votre enthousiasme. Organisez-vous, parce que nous aurons besoin de toute votre force. » Lunacharsky, devenu commissaire du peuple à l'instruction publique en 17, disait « Il faut noter la différence entre enseignement et éducation. L'enseignement, c'est la transmission de connaissances déjà définies par l'enseignant à l'élève. L'éducation, c'est un processus créateur. Tout au long de sa vie, l'homme éduque sa personnalité, il l'étend, il l'enrichit, il l'affirme, il la perfectionne. » Si Blanquer lit ces phrases, évidemment, il va s'étouffer. Comme tous les libéraux qui veulent une éducation autoritaire, utilitariste, sans moyens, Macron et Blanquer veulent transformer le service public de l'école pour en faire, transformer pour en faire une école de ceux qui n'ont pas d'autre choix et pousser les autres vers le privé ou alors déléguer aux collectivités locales. C'est pourquoi nous, ce que nous voulons, c'est transformer l'éducation et avancer vers une école commune pour toutes et tous. Il y a besoin d'une culture commune de haut niveau pour répondre aux défis de l'avenir. Un service public national de l'éducation pour construire cette culture et la transmettre à toutes et tous à égalité. Une école gratuite et accessible à tous les enfants, sous la responsabilité de l'éducation nationale.
C'est comme ça que nous pourrons mettre fin à cette politique de délégation à la fois aux collectivités locales, aux familles ou alors au marché privé. Alors, et la question, enfin, il faut des personnels en maîtrise de leur métier, mieux payés, mieux formés, avec une vraie formation continue, mais aussi au cœur de l'élaboration des programmes. Et alors nous, dans notre circonscription, on va avoir Jean-Michel Blanquer. Alors de suite, et c'est ça qui est très intéressant, parachuté, de suite, ça a été un déferlement sur les réseaux sociaux, on a complètement explosé les comptes Twitter, etc. De tous les côtés de la France, des enseignants, des parents d'élèves sont venus nous dire « On va vous soutenir, on veut lui faire la peau, on veut... » Je le définis hier. « Vous êtes notre espoir, on veut son scalp. » C'est ce que me disait hier soir une enseignante, « On veut son scalp. » Alors moi, je lui ai dit « Scalp de Blanquer, je vais avoir du mal, mais il aura aussi du mal à avoir le mien, de remarquer. » Alors, et c'est ça notre force, c'est que les gens, ils ont identifié deux choses dans cette histoire-là. La première chose, c'est que nous sommes rassemblés. Et que le fait que nous soyons rassemblés, ça donne une force, et tout de suite, ils vont vers nous parce qu'ils sentent que c'est là qu'on peut changer les choses. Et deuxième chose, nous avons un programme alternatif. Nous avons un vrai programme de changement, et on ne peut le battre qu'avec ça. Notre force, c'est l'union, et elle décuple notre pouvoir. Merci Bruno, vous l'avez compris, c'est Jean-Michel Blanquer ou Bruno Notin. Parce que ici c'est Montargis et c'est pas Ibiza, car moi aussi je te suis sur Twitter et bonne campagne à toi. On passe de ce côté-ci avec Emma Fourreau, qui est candidate dans le Calvados. Et qui a un fan club, manifestement. Bonjour, et pour commencer, au nom de la jeunesse, merci. Merci de réaliser cette nouvelle union populaire qui donne tant d'espoir à tous ces jeunes qui ne veulent plus, qui refusent d'avoir peur de ne pas trouver d'emploi, qui refusent d'avoir peur de ne pas avoir une place dans les bancs de l'université, parce qu'Emmanuel Macron a décidé que c'était beaucoup mieux de faire du tri social plutôt que d'investir massivement dans l'éducation supérieure. Ces jeunes qui ne veulent plus non plus observer avec impuissance les effets du dérèglement climatique, ces jeunes qui aujourd'hui, pour un jeune sur cinq, vivent sous le seuil de pauvreté, alors qu'on est la sixième puissance économique du monde. Ces jeunes qui, à 40%, quand ils étudient, sont obligés d'avoir un emploi à côté de leurs études, alors qu'on sait bien qu'avoir un emploi, c'est un facteur d'échec. Et on sait également qui sont ces jeunes qui sont obligés de travailler pendant leurs études. Ce n'est pas les enfants de Bernard Arnault. Malheureusement, c'est nos enfants. C'est ceux des classes populaires qui, du coup, se voient privés d'éducation. Mais heureusement, ces 12 et 19 juin prochains, on va établir les conditions de possibilité de mettre en place enfin une allocation d'autonomie de 1 063 € par mois par jeune pour que plus aucun jeune ne vive sous le seuil de pauvreté. Et donc, pour ce troisième tour, pour envoyer une majorité pour envoyer des étudiants quand même, parce qu'ils font aussi partie de ce pays et ils ont le droit de participer à la vie démocratique. Et surtout, pour envoyer Jean-Luc Mélenchon à Matignon, comptez sur nous, comptez sur les jeunes, parce qu'on va se battre pour un autre monde. Merci Emma. Je ne sais pas si tout le monde est jeune dans la salle, mais tout le monde a l'air de soutenir les jeunes dans la salle. Alors, on passe à Sabrina Sebaï, qui est candidate dans le 92. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je vais vous parler d'engagement. Puisque lycéenne, en fait, j'ai traversé la rue de mon quartier populaire pour pousser la porte de la Croix-Rouge. L'engagement citoyen, pour moi, c'est vraiment le poumon de la vie politique. Et je pense que c'est une erreur, en tout cas, ça a été une erreur ces 5 dernières années, de penser que le peuple ne participe pas à la vie politique. Au contraire, tous les jours, moi, je rencontre des gens qui s'investissent, qui se mobilisent pour faire changer les choses, pour faire bouger les choses dans leur quartier, dans leur ville et sur leur territoire. Et Julie l'a rappelé tout à l'heure, eh bien, quand on unit nos forces, ça fonctionne comme à Notre-Dame-des-Landes. Alors, ces 5 dernières années, la démocratie a été muselée. Muselée. Les représentants des travailleurs ont été considérés comme des chambres d'enregistrement. On a méprisé les citoyens qui marchaient pour leur dignité et leur pouvoir d'achat. Ils ont été nassés, frappés, éborgnés, tout cela sous l'œil de ce gouvernement qui est resté silencieux et qui a même contribué à tout ce qui s'est passé. On a même méprisé et violenté les personnels soignants qui avaient déjà alerté sur les difficultés de l'hôpital public, et ça bien avant la crise sanitaire. On a aussi ignoré les alertes des gilets jaunes qui n'avaient même plus les moyens d'aller travailler. Comment peut-on espérer refaire vivre une vie politique populaire dans ce contexte ? Pourtant, des initiatives sont nées,
la Convention citoyenne pour le climat a été un temps un espoir de renouveau démocratique. La déception n'en a été que plus grande pour toutes celles et ceux qui s'y sont engagés en espérant laisser une planète vivable pour les générations suivantes. Les cahiers de doléances, qui n'en avaient que le nom, sont passés à la broyeuse avec tous les espoirs des personnes qui y ont travaillé. Ce coup de marketing nous coûte aujourd'hui ce que la démocratie en souffre. Alors aujourd'hui, le lien est abîmé, mais nous pouvons le restaurer, et nous allons le restaurer, face à ce président de la République qui a été le plus mal élu de la Ve République. La nouvelle Union populaire, écologique et sociale est notre opportunité de prouver que la démocratie, ce n'est pas qu'une opération de communication. À toutes celles et ceux qui ont voté pour la première fois ou qui sont revenus aux urnes pour les présidentielles, à toute cette majorité silencieuse, on vous remercie. On vous remercie, mais on compte sur vous. On compte sur vous pour la prochaine étape, car ces élections législatives sont une chance de faire vivre la démocratie qui nous ressemble. La VIe République promet la justice sociale et écologique, et elle balise un chemin où tous les citoyens pourront réinvestir le champ politique. Alors, je vous dis rendez-vous à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup à toi, Sabrina. On passe à Anna Pic, candidate dans la Manche. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'être toutes et tous ici, parce que c'est vrai que ça fait chaud au cœur de voir cette grande famille de la gauche et de l'écologie réunie. Ça fait chaud au cœur de savoir qu'on va donner cet espoir, qu'on va donner un débouché politique à toutes ces craintes, à toutes ces aigreurs, à tous ceux qui finalement n'y croyaient plus. Le débouché politique, c'est celui de l'espoir, c'est celui de la gauche et de l'écologie réunies. Ça fait maintenant bien des scrutins que nous nous désespérons du nombre d'abstentionnistes. Cela fait maintenant bien des scrutins aussi et bien trop de fois que nous nous désespérons de l'installation d'un duel mortifère entre la droite libérale qui, au prétexte de devoir donner des gages à la finance, eh bien, chaque fois est plus fort avec les faibles et plus faible devant les forts. Nous pouvons faire autrement. La démocratie, elle existe dans les territoires et pourtant, elle a été souvent mise à mal. La crise démocratique que nous constatons vient de loin, mais elle a été aujourd'hui renforcée par ce quinquennat. La crise des gilets jaunes, nous l'avons tous vécue dans nos territoires. Nous avons vu comment, enfin, le président Macron s'est souvenu qu'il existait des élus de proximité, ceux qui, tous les jours, font vivre dans leur commune la transition écologique, la justice sociale, qui tentent par tous les moyens de pallier à toutes les normes, régulations, qui tentent de ne pas être des simples supplétifs de l'État. Eh bien, il s'en est souvenu, il a rassemblé les élus locaux, il a fait 4 heures de discours et il a fermé la porte. Il a fermé la porte pendant que nous avions la contractualisation, l'impossibilité, malgré les moyens, de mettre en œuvre des politiques publiques et de maintenir les services publics ouverts. Il a fermé la porte à un espoir, celui de construire ensemble un nouveau mode de gouvernance avec les citoyens. Oui, nous pouvons commencer par ce référendum d'initiative citoyenne, parce qu'il faut savoir faire confiance à la population. Elle est en capacité de savoir ce qui est de la démocratie représentative et ce qui est de la démocratie citoyenne. Faisons leur confiance. Retrouver ce sens de la décentralisation, c'est aussi retrouver le sens du dialogue avec le mouvement associatif. Le mouvement associatif, pas plus que les communes, ne sont des délégataires des politiques publiques de l'État. Le mouvement associatif, c'est une dynamique. Ce sont des citoyens qui s'engagent au quotidien. Ce sont ceux qui font vivre les villages, là où il n'y a plus beaucoup de services publics. Eh bien, il y a encore des gens. Et en particulier ces jeunes retraités qu'on veut remettre au travail, qui font vivre nos villages, nos villes, nos communes, mais tous nos territoires. Et c'est eux qui font ce réseau citoyen, qui vont demain avec nous s'engager. Merci. Et on termine donc par Antoine Payon, candidat dans les Côtes d'Or. La Côte d'Or. Je convoque le chocolat. C'est pour ça. Sauvagerie, peut-être une des pires. L'évasion fiscale. On ne connaît pas le chiffre habituellement. En 2012, c'était 600 milliards d'euros qui étaient cachés dans des paradis fiscaux divers et variés. C'était
environ 80 milliards d'euros par an qui s'échappaient du territoire de façon totalement illégale. Alors, monsieur Mélenchon, comment allez-vous financer la retraite à 60 ans? Voilà, l'évasion fiscale, c'est une ressource potentielle pour l'État français qui se chiffre bien au-delà du financement de nombreuses réformes que nous voulons porter. Attendez, l'évasion fiscale, quelques années plus tard, c'est 700 milliards d'euros. Monsieur Hollande, pendant son quinquennat, a obtenu que l'Office central de répression de la grande délinquance financière perde 20% de ses effectifs. Monsieur Macron, depuis, a fait en sorte que la liste des paradis fiscaux soit vidée de tous les véritables et les plus graves paradis fiscaux de la planète, et notamment de l'Europe. Nous avons régressé de telle sorte qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune lutte d'État contre l'évasion fiscale. Or, l'évasion fiscale, c'est la corruption. L'évasion fiscale, c'est la destruction de la justice économique et sociale. L'évasion fiscale, c'est la police et la justice qui protègent l'ultra-richesse contre tous les autres. Voilà, je ne veux pas vous désespérer plus longtemps. Il y a une bonne nouvelle, c'est que notre nouvelle Union populaire existait déjà, et depuis 2012, j'en ai été le témoin. Qui s'est battu contre l'évasion fiscale? Eva Joly, en 2012, pendant sa campagne, candidate de ELV, Yann Gallu, député socialiste à l'Assemblée nationale avec un immense courage, les frères Éric et Alain Bocquet, communistes, qui se sont battus contre le même phénomène. Eh bien, petit clin d'œil à la présidente du Parlement de l'Union populaire, à l'attaque contre l'évasion fiscale. Merci Antoine. Merci à vous. Merci à vous. Vous voyez l'image de la diversité, l'image de notre majorité qui est prête à s'installer à l'Assemblée nationale et qui est prête à rejoindre l'une d'entre elles qui a tenu la tranchée ces 5 dernières années aux côtés des députés insoumis, communistes et écologistes, Clémentine Autain, députée de Seine-Saint-Denis. Quel bonheur, chers amis, de voir advenir ce grand rassemblement qui ouvre l'espoir de transformer, d'améliorer le quotidien de millions de Français. Et je dois le dire, quel bonheur de lancer notre campagne de la nouvelle Union populaire, sociale et écologique, sociale, dans notre chère Seine-Saint-Denis, parce que la Seine-Saint-Denis est une terre victime de leur politique injuste et inégalitaire, comme vous le savez, victime s'il en est, mais c'est aussi une terre de résistance, comme nous l'avons vu avec les résultats des élections présidentielles, c'est une terre de jeunesse, c'est une terre de diversité, c'est une terre de culture. Et je tiens à signaler ici que si nous ne disons pas le terme de culture, il disparaît de l'espace politique. C'est une terre, la Seine-Saint-Denis est une terre de richesse humaine. Tout ce qui ne rentre pas dans, vous savez, leur PIB, produit intérieur brut, qui est une mesure datée de la richesse, parce qu'ils ne savent plus ce qu'est la richesse et que nous le savons. Ici comme ailleurs, en Seine-Saint-Denis et ailleurs, ceux qui ne sont rien pour eux sont tout pour nous. La devise républicaine, je vous le dis franchement, ils en ont fait des cocottes en papier. La liberté pour eux, c'est le libéralisme. Ils l'ont confondu avec le libéralisme. L'égalité, elle est en marche arrière.
La fraternité, elle s'est noyée dans la mer Méditerranée. Voilà ce qu'ils ont fait de la devise républicaine. Et ils osent nous faire la leçon. Ils osent nous faire la leçon du matin au soir. Moi, j'ai le sentiment que plus ils répètent le mot république, plus ils en bafouent les termes. Ils en bafouent les termes parce qu'il y a plusieurs manières, il y a plusieurs manières de tuer la République. On peut, comme l'extrême droite, la combattre frontalement. Mais on peut aussi, par des politiques publiques concrètes, la nécroser de l'intérieur. Or, nous savons ici que la République laïque et démocratique ne tient sa promesse que si elle est sociale. Oui, nous voulons une sixième République. Et dans cette sixième République, nous ferons le partage des richesses, nous ferons le droit à l'avortement qui, aux États-Unis, est aujourd'hui massacré. Nous inscrirons dans le marbre le droit, la règle verte, parce qu'il ne faut pas prendre à la nature plus que ce qu'elle est capable de donner. Et ce sera une République qui part des besoins de la population pour organiser l'appareil productif, au lieu de nous faire consommer tout et n'importe quoi pendant que des gens meurent de faim. Voilà, c'est ça leur modèle de développement. Eh bien, ce modèle de développement est contraire aux principes républicains et nous allons le mettre à bas. Alors, pour mener à bien ce changement en profondeur, j'ai l'immense joie, le plaisir et l'honneur d'accueillir notre futur Premier ministre, notre tortue sagace, qui est l'artisan patient de ce bloc populaire, un homme qui sait d'où nous venons et où nous devons aller, et qui reconnaîtra cette citation, écoutez-moi, « L'histoire enseigne aux hommes les grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invisible, l'invincible espoir. » Eh bien, sur ces mots du grand Jean Jaurès, je vous prie d'acclamer le grand Jean-Luc Mélenchon. Ça ne durera pas plus de 2 ou 3 heures, ça va. Rassurez-vous. Salut. Allez, asseyez-vous, ça suffit. Je pensais comment d'un verre, Paul Éluard traçait à la fois notre slogan et notre méthode. Quand il dit « Oui, un autre monde est possible » et il est contenu dans celui-ci. Alors, je levais les yeux et pourquoi c'est comme ça ? Les parcs qui filent nos destins peut-être m'ont envoyé un message. Une petite ardoise sur le mur, ici, à côté, avec un autre verre d'Éluard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. J'ai assez vécu, et mon expérience du combat politique me fait mesurer la profondeur historique
de ce que nous sommes en train de réaliser. Je le sais. Je sais que à cette heure, nous sommes en train, bien sûr, d'écrire une page de l'histoire politique de la France. Et parce que nous l'écrivons, parce que nous écrivons cette page de cette façon, alors nous pouvons prétendre écrire une page d'histoire de France. C'est la première fois depuis 25 ans, c'est-à-dire une génération, qu'un accord général intervient entre l'ensemble des forces de la gauche traditionnelle, des écologistes et évidemment des petits derniers insoumis. C'est la première fois, une génération. Il aura fallu que le fil se perde et qu'il faille le tisser de nouveau pour que sous notre responsabilité, nous y soyons parvenus. Mais depuis qu'il y a une gauche traditionnelle, socialiste et communiste, depuis qu'il y a des partis écologistes, depuis qu'il y a des insoumis, la tête pleine d'idées libertaires et de poésie hugolienne. Depuis le début de l'histoire, depuis toujours, c'est la première fois qu'il y a un accord général de toutes les forces, dès le premier tour, sur des candidatures uniques, dans toutes les circonscriptions. Ce qui n'avait été fait ni par le cartel des gauches, ni par le Front populaire, ni par la Libération, ni par mai 68, ni par le programme commun, nous l'avons fait. Évidemment, cela me conduit à renouveler en votre nom à tous nos remerciements à l'ensemble, je dis bien l'ensemble, des négociateurs de toutes les équipes qui, en 13 jours, ont rendu possible cet accord. Et j'ai une pensée particulière, parce que je suis un militant depuis l'âge de 16 ans, pour ceux qui, femmes et hommes, militantes et militants, avaient été d'abord pressentis pour marcher les premiers dans le combat de cette élection législative et à qui on a demandé de se retirer pour que cet accord s'exerce pleinement. 1750 femmes et hommes. Je leur dis toute notre fraternité et je sais qu'il leur en cuit parce qu'il est glorieux de participer à un combat glorieux. Et je dis ma reconnaissance à ceux qui, avec tant de gentillesse, tant de grandeur, de cœur et de caractère, nous ont dit « ça me cuit, mais je le fais quand même parce que la cause est plus grande que moi ». Il nous aura fallu 13 jours pour nous accorder, et je suis obligé d'ajouter 13 nuits. C'est beaucoup. Certains ont trouvé le feuilleton un peu long. Mais précisément, ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que ce n'était pas un feuilleton. C'était une histoire. Et puis, on peut se comparer. Nous sommes, après tout, des gens qui vivons dans des institutions et qui inscrivons notre action dans un cadre démocratique, puisque nous ne croyons qu'à la démocratie. Et donc, nous sommes obligés d'accepter les rythmes, même quand ils ne nous plaisent pas. Mais enfin, tout de même, il n'y a qu'à regarder ailleurs. En Allemagne, où paraît-il, c'est le championnat du monde de la rigueur. 8 mois, la première fois. 6 mois, la deuxième. En Belgique, 1 an et demi. En Espagne, 3 élections, et nous, 13 jours. J'estime que c'est un record du monde.
S'il a fallu autant de temps à ces grandes démocraties pour trouver un point d'équilibre et d'entente, et si nous-mêmes, nous avons été si vite, si fort, si loin, c'est parce que quelque chose travaille le monde en profondeur et le déstabilise, le pousse à chercher de nouveaux points d'équilibre. Les 40 années de néolibéralisme dominant la planète, saccageant les sociétés, pillant la nature, détruisant les êtres humains, ce système est arrivé à bout de souffle. Et tout le monde le sait. C'est donc qu'il faut trouver un autre chemin. Et nous sommes tous assez avertis d'histoire pour savoir qu'il est passé le temps des solutions dont on pouvait dire d'avance, elle est définitive. C'est comme ça et pas autrement. Il faut accepter la modestie des constructeurs de l'histoire, mais en même temps, l'audace qu'il faut avoir pour comprendre qu'il n'y a pas d'issue à la crise que rencontre l'humanité, sinon dans la rupture avec un tel système. C'est ce qui s'est passé dans l'élection présidentielle. Elle a bien sûr des côtés cuisants et des côtés satisfaisants. Ne la regardons pas à l'aune des personnes ou des talents. Ce n'est pas de cela dont il a été question. Il n'y avait que des talents. Et aucune des personnes qui se trouvaient là dans notre famille a été en dessous de la tâche qui lui avait été confiée. Il y avait une grande question. Et notre peuple l'a tranchée. Du moins, chez nous, la question a-t-elle été tranchée. Il a constitué un bloc populaire en choisissant ultra-majoritairement, non pas une personne, fût-ce votre serviteur, mais une orientation et un programme, la rupture. Et sitôt que les autres composantes de notre famille historique ont déclaré qu'ils avaient reçu le message et qu'ils le mettraient en œuvre instantanément, alors, dès lors que tous nous sommes retrouvés pour rompre, nous avons pu nous unir. L'union est possible par la rupture et le principal mérite en revient à ceux qui en ont pris la décision. Et dorénavant, c'est nous tous. Bien sûr, la force sociale qui a été constituée, nous n'aurons pas la sottise de la croire définitivement constituée et que ce serait en quelque sorte le moment de jouir d'une rente de situation sans autre exercice, plus difficile que de nous unir. Non, il va falloir sans cesse mériter la confiance, être à la hauteur de l'événement que nous avons créé, appeler à l'action, à l'élection, la masse de ce peuple qui enfin doit pouvoir trouver en nous tous, parce qu'il est ici présent par nous-mêmes, sa propre représentation politique. Dorénavant, nous sommes ce que nous sommes, chacun pour notre part, qui socialiste, qui communiste, qui insoumis, qui vert, qui anarchiste, qui trotskiste, qui amoureux de sa patrie. Ici tous, mais nous avons en plus une identité supplémentaire, celle que nous sommes en train de constituer, c'est-à-dire la nouvelle union populaire, écologique et sociale. La NUP. Bon, écoutez, ça va, hein. On s'est bien fait à l'AREM. Alors la NUP, pourquoi pas? Du moment qu'on n'oublie pas ce que ça veut dire. Et le premier mot, c'est nouvelle. Alors je vous en prie, ne reproduisons pas les vieilles formules, ça ne sert à rien qu'à embrumer l'esprit. Bien sûr, ce sont des forces de gauche qui s'unissent, mais ce n'est pas la gauche unie, ce n'est pas la gauche plurielle, ce n'est pas l'union de la gauche. C'est une nouvelle page de l'histoire qui s'appelle l'union populaire, écologique et sociale.
Nous n'allons pas remâcher le passé. Nous n'allons pas vivre dans l'obsession du rétroviseur. C'est une page nouvelle. Il faut inventer, il va falloir créer, il va falloir travailler à porter cette identité, à être radicaux, oui, bien sûr, mais une radicalité concrète, une radicalité tenable. Nous voulons en finir avec ce système parce qu'il est dangereux pour l'humanité. Mais nous n'allons pas nous rendre nous-mêmes plus dangereux en étant inconscients ou incapables de ne pas mener jusqu'au bout une politique pensée, maîtrisée, dominée et dans laquelle le peuple tout entier peut s'inscrire en acteur et pas en spectateur. La NUP, c'est une méthode. C'est un parlement. Dans la campagne, on va tâcher de le réunir autant qu'on peut. Chacun aura son groupe à l'Assemblée nationale. Et puis il y aura un intergroupe. Et si nous gagnons, la discussion politique continuera dans le Parlement. Nous ne serons pas tous à la queue-leu-leu derrière je ne sais quel improbable chef qui réglerait tous les problèmes, surtout si c'est moi qui n'ai pas envie de le faire et qui ne suis pas candidat à ce rôle. Il faudra tous les jours se poser la question de savoir comment on résout les difficultés. Je crois que nous avons appris, nous les insoumis, nous sommes les derniers arrivés, nous l'avons appris au Parlement. On a compris que c'était par des amendements, par des discussions, par des propositions qu'on faisait avancer le combat et qu'on se rendait crédible. Attendez, n'allez pas vous méprendre, j'ai pas dit que je voulais pas diriger ce qu'il y a à diriger. J'ai juste voulu dire que ça m'a beaucoup amusé de voir qu'il paraît que je suis devenu le chef. Mais qui vous a dit que j'ai envie d'être le chef? C'est quand même incroyable une histoire pareille. Non, ça ne se passe plus comme ça. Nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes des forces vivantes. C'est le collectif qui, d'une manière ou d'une autre, tranche, décide, produit, apporte, complète. Et il en sera ainsi. C'est pourquoi c'est une autre phase de l'histoire qui commence. Nous voulons que ce soit une force pérenne. Ça veut dire que ça dure pas juste le temps d'une élection. Mais entendez bien le message, si vous voulez que ça dure plus qu'une élection, ben va falloir le faire durer. Ça ne se fera pas tout seul, ça ne se fera pas à coup de sifflet, ça se fera par la discussion, par la camaraderie, par la fraternité, par le fait que, sans doute, on cessera de penser que le stade suprême de la pensée politique est de marchander son pouvoir de nuisance. Et que, entre nous, le problème n'est pas tant la compétition, mais l'émulation. Qui est le plus malin? Qui a les idées les plus intéressantes? Quelle est la femme, l'homme qui nous apporte? Voilà ce qui compte. Soyons meilleurs chacun pour le collectif, et le collectif sera meilleur pour chacun. Mais je dois donner d'abord le sens le plus immédiat et le plus profond de ce que nous sommes en train de faire. Non, contrairement à ce que j'ai lu ici ou là, ce n'est pas qu'un accord électoral. Ben, c'est déjà bien de faire un accord électoral. Je n'ai pas très bien compris comment un accord électoral qui est un accord de gouvernement n'est pas en même temps un accord politique. Bon, on expliquera. Mais il est clair que notre accord électoral nous permettra de gagner si nous convaincons que notre programme, nos idées, nos objectifs correspondent à l'intérêt général humain de notre patrie. Voilà comment nous convaincrons. Voilà comment l'accord électoral deviendra un événement politique considérable, je l'ai dit, de l'histoire de France elle-même. Mais dans l'immédiat, tous ceux qui m'écoutent à cet instant doivent se souvenir que nous ne sommes pas en train de régler je ne sais quel congrès entre nous, ou réaliser je ne sais quelle partition que tel ou tel grand musicien parmi nous aurait imaginé. Nous posons un acte de résistance collective à une ère de maltraitance sociale, et écologique et démocratique qui nous a été annoncée par un pouvoir qui s'est fait élire sous la contrainte d'un deuxième tour par défaut et qui, sans jamais avoir annoncé le moindre programme, a l'intention de nous entraîner encore plus loin dans la déconfiture
néolibérales, dans les destructions qu'ils ont commencées par celle du code du travail, continuées par celle de l'hôpital public, et qu'ils voudraient maintenant continuer par le saccage de l'école et la marchandisation du savoir. Nous sommes dans un acte de résistance quand nous répétons sur tous les tons que nous ne voulons pas de la retraite à 65 ans et que pour l'empêcher, il n'y a qu'une manière de le faire, c'est d'élire une majorité de députés de l'Union populaire. Ce n'est pas seulement parce que nous savons que cet homme ne veut vous infliger cela que pour complaire à quelques ramassis d'obscurs technocrates qui pensent que l'âge de la retraite doit être sans cesse reporté parce que, paraît-il, on vit plus longtemps et donc il faut travailler plus longtemps, et que précisément depuis qu'on travaille plus longtemps, on vit moins longtemps, et en tout cas on vit moins longtemps en bonne santé, et que sa réforme va coûter 4,5 milliards de plus de RSA et d'assurance chômage. Ce n'est donc pas une économie qu'il réalise. Et que sa réforme veut dire que quand la retraite serait à 65 ans, comme il y a toujours 5 ans pour ceux qui n'ont pas les annuités complètes de décalage, ça veut dire que pour avoir une retraite complète, il faudra attendre 70 ans. Vous entendez ? 70 ans ! Alors, mais je dis, ce n'est pas à cause de ce coup, ce n'est pas à cause de l'absurdité sur lequel il débouche. Je parle du monde dans lequel nous vivons, de la société dans laquelle nous voulons vivre, où l'économie est au service des êtres humains et pas l'inverse, où l'économie doit être soucieuse de la nature et non pas désinvolte comme elle l'est aujourd'hui. Quand nous disons la retraite à 60 ans, nous imaginons les 1001 petits bonheurs de l'existence qui avaient été acquis auparavant par la lutte lorsque le programme commun a permis qu'on l'appliquât une première fois. Devant nous, un moment historique compliqué. L'ordre géopolitique du monde est bousculé. Et déjà, nous l'avons sous les yeux en Europe avec le retour de la guerre et l'insupportable, l'intolérable agression du gouvernement de M. Poutine contre le peuple d'Ukraine à qui je dédie notre ferveur d'aujourd'hui. Sous les yeux, une guerre d'agression qui viole une frontière et massacre des populations, commet ce qu'il faut appeler dorénavant des crimes de guerre et qui nous menace d'un crime contre l'humanité que serait le recours aux armements nucléaires. Eh bien, cette difficulté, elle s'ajoute à celle que déjà nous allons recevoir avec le changement climatique qui est commencé, comme nous le répétons, et qui est irréversible. Ce que nous pouvons faire, c'est empêcher le franchissement de nouveaux seuils qui aggraverait la mise en danger de l'humanité tout entière, sur des points essentiels, comme le cycle de l'eau, par exemple, profondément perturbé. Ah, comme je regrette de ne pas y être arrivé. On avait commencé la campagne présidentielle par ça. On n'est pas arrivé à installer ce débat dans la société française. Pourtant, nous avons aujourd'hui plus d'une dizaine de départements qui sont en alerte sécheresse, et nous en avons deux où dorénavant, il y a des restrictions sur l'usage de l'eau. Nous sommes en mai. D'habitude, ce sont des choses qui surgissaient de temps en temps, ici ou là, au mois d'août. Et on nous annonce pour cet été de terribles sécheresses et des canicules qui maintenant ne sont plus extraordinaires, mais ordinaires. Les conséquences seront innombrables. En premier lieu, sur les récoltes de blé et de ce dont nous avons besoin, pour pourvoir à la nourriture quotidienne de millions de gens, mais aussi des conséquences sur tout le reste du système économique. Car voyez-vous, quand ça chauffe, eh bien on ne peut pas refroidir les centrales nucléaires, et le niveau des rivières descend, et donc on met des réacteurs à l'arrêt,
Alors il faut arrêter de dire que nous sommes tranquilles parce que nous avons le nucléaire. Nous sommes inquiets parce que nous avons le nucléaire. Et parce que ça fait partie des maltraitances écologiques qui sont prévues par ce pouvoir. Il y a déjà 17 réacteurs à l'arrêt. Qu'est-ce qu'il a prévu de faire ? Rallonger la vie des vieilles centrales. Je ne dis que cela aujourd'hui, mais je le dis. C'est une décision absurde, ruineuse et irresponsable, compte tenu du danger que cela représente. Le modèle productif, disais-je en faisant la liste des difficultés qui s'avancent, a été pris à contre-pied. Ces interminables chaînes de valeur, comme il disait. Alors, je capture une crevette ici, je la mets dans un bateau là-bas, et puis on la décortique encore là-bas, et on la ramène ici, et elle aura fait le tour du monde comme les jeans que nous avons sur nos fesses, et qui, au passage, auront pompé 15 000 litres d'eau, c'est-à-dire 7 250 par fesse. Eh bien, ces interminables chaînes, elles ont été rompues une première fois par la Covid. Normalement, ça devrait les faire réfléchir, mais ils n'ont pas eu le temps. Car entre-temps, la rupture de ces chaînes a provoqué des pénuries partout et les prix décollent, car évidemment, dès qu'il y a pénurie, les spéculateurs arrivent et en rajoutent. Pénurie par-ci, pénurie par-là, des matériaux rares, comme le bois ou le fer, viennent à manquer pour construire des maisons, et ainsi de suite. Ces chaînes seront de nouveau rompues, nous le savons. Et donc, il faut réfléchir au futur avec sérieux et pas en comptant sur la magie de la main invisible du marché pour régler les problèmes de demain. Nous devons, aussi vite que nous le pouvons et chaque fois que c'est possible, je ne dis pas que c'est possible tout le temps, sur tous les sujets et sur toutes les matières, nous devons relocaliser tout ce que nous pouvons pour ne pas connaître les pénuries de production auxquelles nous expose le système du libre-échange généralisé. Enfin, ces chaînes seront rompues parce que les épidémiologistes eux-mêmes nous le disent. La Covid-19, c'était le hors-d'œuvre. Il y aura d'autres pandémies. Pourquoi ? Parce que le modèle dominant de l'agriculture mondiale est celui de la destruction des espaces naturels et donc de la transmission des virus qui se trouvent parmi la biodiversité animale sur les animaux domestiques et d'eux aux êtres humains. Par conséquent, comme il ne change rien au modèle, et comme dans ce pays, il paraît qu'on ne touchera pas aux fermes-usines, dit M. Macron, en tout cas jusqu'à ce que nous on arrive. Alors il est certain que nous aurons d'autres cas de zoonose, et donc d'autres pandémies, et donc que nous sommes obligés de commencer à nous organiser pour, un, empêcher les pandémies, donc fermer les fermes-usines, et deuxièmement, nous devons nous préparer à, lorsqu'elles éclatent, être capables d'organiser la société autrement qu'en mettant en prison chez soi toute la population. Si vous n'y réfléchissez pas, si ça ne vous intéresse pas, si vous attendez que ça arrive en disant ben écoutez, oh, ça nous fera vendre des masques, et pourquoi pas du gel, et que sais-je encore. Après tout, le capitalisme de notre époque, pourquoi est-il si dangereux ? C'est parce qu'il est incapable de se corriger. Et pourquoi est-il incapable de se corriger ? Tout simplement parce qu'il profite des turpitudes qu'il déclenche. Mais nous qui ne sommes que la société des êtres humains et qui ne défendons rien d'autre que l'intérêt général humain, nous regardons tous ces problèmes d'un autre œil. Il faut organiser, il faut préparer. Vous comptez sur M. Macron pour faire ça ? Mais qui pourrait compter sur lui ? Pour faire ça ou d'autres choses ? Non, il ne le fera pas. Enfin, le monde comme il est, du plus loin qu'on le connaît, est, en général, dans les sociétés humaines, globalement assez réfractaire à un niveau d'inégalité trop grand. Qu'est-ce que trop grand ? Je ne sais pas, c'est l'histoire qui le fixe, la lutte de classe, la lutte entre les uns et les autres.
Le curseur est placé à chaque étape de l'histoire, à un endroit ou à un autre. À la Libération, sur le vieux continent européen, sans doute aussi profitant des pillages qu'on organisait ailleurs, le curseur avait été extrêmement favorable aux salariés. Et de tous côtés étaient venus des progrès sociaux qui n'avaient fait que s'amplifier ensuite. Nos sociétés étaient, à maints égards, sur le plan des salaires, moins inégalitaires. Sur le plan des rapports humains, non, ce fut beaucoup plus long, je le rappelle. Les femmes n'ont eu le droit de vote qu'il y a 77 ans à la Libération. Le droit d'avoir un carnet de chèques que dans les années 60, etc. Donc je ne suis pas en train d'idéaliser la période qu'il y a eu avant nous. Mais je dis seulement que c'était comme ça. Et maintenant, la bascule se fait dans un tout autre sens. 5 personnes possèdent autant que 27 millions d'autres dans ce pays. Un déséquilibre pareil est insupportable moralement et intellectuellement. Mais il est surtout inacceptable parce que nous avons besoin de répartir pour pouvoir faire la vie à laquelle on aspire, qui n'est pas si prétentieuse que ça, je le dis à M. Macron. Nous élevons nos enfants en les protégeant du rêve dément et pervers d'être milliardaires. Puisqu'il avait dit que nos jeunes devaient en rêver. Nous éduquons nos enfants au partage. Partage avec ton frère, avec ta sœur. Regarde pas dans l'assiette de ton frère ou de ta sœur. Prends ta part. Et l'autre, est-ce qu'il a eu... Bref, on fait ça tous les jours, non? Quand ils sont petits. Après, ceux qui nous le font à nous. Pourquoi c'est toi qui as tout et pas moi? Bon, bref. Mais l'inégalité en France fragilise la société française. Vous savez, comme moi, tous autant qu'on est. Mais eux, ils ne savent pas qu'il y a des zones entières que l'on ne peut pas qualifier de zone du tiers-monde, mais de zone du quart-monde, accablée de misère. Je suis député d'une circonscription dans laquelle se trouve le quartier le plus pauvre d'Europe. Au début, j'ai cru que c'était une galéjade de Marseillais. Mais non, c'est vrai. Le quartier le plus pauvre d'Europe, dans la France si riche, si flamboyante. Les inégalités fragilisent nos sociétés parce qu'elles les rendent moins aptes à faire face aux défis qui arrivent. Si vous êtes emmuré, femme, homme, dans une logique de survie, que votre seul problème, c'est de savoir comment vous allez tenir jusqu'à la fin de la semaine, et que, héros, héroïne du quotidien, vous tenez jusqu'à la fin de la semaine, et que vos enfants auront eu à manger toute la semaine, que ceux qui auront été malades auront pu être soignés, après que quand même vous essayez de voir s'il n'y avait pas moyen que ça passe tout seul, puisque plus de 30% des Français ne se soignent pas à la première alerte et ne se soignent des fois que quand l'alerte est devenue tellement chaude que c'est pire que s'ils l'avaient fait au tout début. L'inégalité fragilise les sociétés et c'est le principal reproche que nous lui faisons parce que ce qu'il faut construire maintenant, le sens profond, moral, philosophique de ce que nous sommes, c'est que nous voulons construire une société d'entraide, une société d'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Le contraire de la société de sauvages où tout le monde est le concurrent de tout le monde. J'ai évoqué la maltraitance sociale qui nous est promise. J'ai évoqué la maltraitance écologique, sans vous en faire toute la liste, je n'ai abordé que la question du nucléaire, mais j'aurais pu, et pourquoi je ne le ferais pas, dire que quand 99% des Françaises et des Français, quand on examine leurs urines, manifestent une présence de glyphosate, quand on rapproche la présence de pesticides dans le corps de tous les êtres humains, alors on se rappelle de ce qu'on a fait dans les Antilles, quand on n'a pas interdit à temps le chlordécone. Et on devrait rapprocher alors la présence de pesticides et de perturbateurs dans tous les corps, du fait que la mortalité infantile
augmente dans notre pays, ce qui est une honte, au moment où, en plus, des raisons qui perturbent gravement la fécondité des femmes et des hommes, au point que ce qui était hier exceptionnel est devenu si banal dans nos relations et dans nos familles, de la difficulté à avoir des enfants. Alors soudain, on se dit, ce monde est vraiment devenu fou, parce que la base de la civilisation humaine, c'était d'abord la fondation des familles, leur protection, la culture qu'elles échangeaient d'une génération à l'autre. Alors quel est ce monde dans lequel il devient plus difficile d'assurer la génération, où il devient difficile d'assurer la transmission du savoir par l'école, où il devient difficile d'échapper à des maladies qu'on provoque soi-même par ses propres activités. Ce monde est fou, c'est pourquoi il est temps d'en interrompre le déroulement. Il est temps, bien sûr, on ne le dit pas en 24 heures, personne ne croit une chose pareille, mais d'entrer sur ce nouveau chemin, d'assurer cette rupture, voilà ce que nous incarnons et que nous voulons incarner aux yeux du peuple français, avec toute la patience qui est la nôtre, pour expliquer, convaincre, entraîner. Nous avons besoin de l'intelligence collective, des milliers de jeunes hommes et de jeunes femmes qui font des études aujourd'hui et dont nous avons besoin du savoir aussitôt que possible pour faire tout ce qu'il y a à faire. Nous avons besoin de milliers de jeunes gens, garçons et filles qui décident d'entrer dans les carrières du soin, médecins, infirmiers, etc. Nous avons besoin de milliers et milliers de jeunes gens qui nous garantissent par leur savoir-faire et leur intelligence l'installation de ces immenses machines dont nous avons besoin pour remplacer par des énergies renouvelables le nucléaire et les autres énergies qui ont des effets de serre. Nous faisons appel à l'intelligence de notre peuple. Nous faisons appel au dévouement. Nous faisons appel à la mobilisation. Parce qu'on ne changera pas tout du sommet, ce n'est pas vrai. Beaucoup de choses peuvent changer depuis le sommet. Et le sommet n'aura pas la faiblesse de se cacher. À peine arrivé, le SMIC sera augmenté à 1 400 euros. Vous pouvez compter sur moi. Et ce n'est pas tout. Je préfère prévenir. J'ai observé que depuis la dernière augmentation, 85% des salaires minimums dans les différentes branches de la production de ce pays sont inférieurs au SMIC. C'est intolérable. Donc, nous convoquerons dans tout le pays de nouveau les conférences de négociation salariale obligatoires pour qu'on reprenne cette affaire. Et pas seulement pour appliquer la loi. Parce que le SMIC, c'est pas au choix. Mais aussi pour examiner toute la hiérarchie des salaires en tenant compte de l'inflation. Et d'ailleurs, pour lutter contre l'inflation, nous ne compterons pas sur je ne sais quel mécanisme de l'économie de marché. Nous ne ferons pas ce que sont en train de faire des gens que je juge extrêmement coupables dans leurs décisions quand ils décident de restreindre le crédit alors que nous entrons dans une phase où toute l'économie déjà semble se diriger de nouveau vers un point d'arrêt, comme c'est le cas dans notre pays. C'est extrêmement dangereux. Et donc, nous bloquerons les prix de tous les produits de première nécessité. Pas par idéologie, pas pour punir je ne sais qui, mais parce que notre peuple est en train de couler. Des familles qui arrivaient à se maintenir la tête à peine hors de l'eau, dorénavant ne peuvent plus le faire. Et commence une horrible comptabilité. Qu'est-ce qu'on fait? On se déplace ou on mange? On mange ou on paye le loyer? On paye le loyer ou on paye l'électricité? Voilà les choix que doivent assumer des braves gens qui, tout le reste du temps, font tout ce qui est en leur pouvoir pour se rendre utiles à leur famille et à la société. Nous voulons libérer les gens de la contrainte de la survie et de la servitude dans laquelle la misère enferme ceux qu'elle frappe. J'ai envie de vous lire le reste, mais bon, sur la maltraitance écologique.
Franchement, quand même, ils ont tiré une couche. Hein. 5 épidémies de grippe aviaire, pas une, 5. À la première, ils auraient pu se dire, bon, ça n'a pas de bol. À la deuxième, tiens, on aurait dû y penser. À la troisième, ah, quand même. À la quatrième, il est temps de faire quelque chose. On est à la cinquième. Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Rien. Je parle sérieusement. La grippe aviaire, c'est 20 millions de volailles qui ont été sacrifiées. Vous savez qu'aujourd'hui, 80% des oiseaux vivants, c'est de la volaille d'élevage, qui vit dans les conditions que vous savez, de ces élevages concentrationnaires. Alors vous dites, bon, d'accord, c'est regrettable, il n'a pas tort, Mélenchon. Enfin, nous ne sommes pas des canards. Bah si, ça se pourrait bien. Parce qu'en Chine, le virus, il est passé du canard à un être humain. Alors, qui c'est qui a envie d'essayer? Vous voyez bien que ça ne peut pas durer, qu'il faut prendre un autre chemin. Essayez pour voir. Vous pourriez aller manifester à vos risques et périls. Quatrième thème de maltraitance, la maltraitance de la démocratie. L'autre, il n'est même pas installé dans son nouveau mandat. Il n'est même pas installé dans son nouveau mandat que déjà, il y en a un qui nous parle d'appliquer le 49-3 à propos de la retraite. Exactement. Oui. Et ça a commencé tout de suite avec des images extrêmement parlantes. Jean-Baptiste Hérault, anarchiste bien connu, qui, du haut de ses 63 ans, menacé, l'ordre établi et les forces qui le représentent, et que nous avons vu plaqué au sol, tenu par 4 personnes qui lui appliquaient une de ces clés dont on sait qu'elles peuvent devenir mortelles. Enfin, vous avez vu qu'après le droit d'étrangler, le syndicat Alliance réclame le droit de pouvoir tuer sur les gens. Sans que le ministre de l'Intérieur ne dise un mot. Et vous avez une manifestation où un syndicat factieux déclare que le problème de ce pays est de la police et la justice, et personne n'a rien à dire. Comment c'est possible? Je ne crois pas que quand je parle comme ça, je fais autre chose que de parler au nom des valeurs auxquelles nous croyons. Une police dans un État démocratique est nécessairement républicaine. Et je ne vois pas quel genre de délit de la circulation routière ou même de trafic mérite qu'une personne décide de l'application de la peine de mort à un autre et que ça soit son droit. Non, ce n'est pas possible. Nous ne l'acceptons pas. Qu'est-ce que je vois? Julie Garnier, conseillère régionale, qui défend des travailleurs, qui fait un meeting. Dans le meeting, elle a dit, incroyable, une parole qui sent son anarchiste à plein nez. Et si elle a parlé comme ça, c'est plutôt que de jeter une bombe, sans doute. Elle a dit que la direction de l'entreprise mentait. Insupportable. Convocation au commissariat de police. Une élue convoquée dans un commissariat de police pour faire une déposition parce qu'elle a dit qu'une direction d'entreprise mentait. Alors que souvent, les entreprises, les directions d'entreprise, comme vous le savez tous, ne mentent jamais. Ils font des plans de sauvegarde de l'emploi où ils licencient la moitié de la boîte. Voilà. Donc ils ne mentent pas. Ils adaptent. Bon. Ça, c'est l'urgence. C'est à tout ça qu'il faut mettre fin tout de suite. Mais je l'ai dit, l'enjeu, ce n'est pas l'urgence. L'enjeu, ce n'est pas seulement les mesures qui sont contenues dans le programme, telles que je viens d'en exposer quelques-unes après d'autres à cette tribune. L'enjeu, c'est le monde dans lequel nous voulons vivre. L'enjeu, c'est la rupture, la bifurcation écologique qu'il faut faire connaître à notre économie, à ses process de production, et aussi à la consommation et à nos mentalités. Alors, je ne dis pas qu'on soit toujours très habile dans ce domaine. Mais plein de gens seront d'accord avec nous pour dire qu'il faut mettre un terme à la malbouffe, que du sucre en grande quantité dans tous les aliments, c'est la ruine de la santé, que du sel partout dans les aliments trop, c'est la ruine de la santé, que l'Organisation mondiale de la santé vient de nous mettre en garde contre le fait
qu'il y a une épidémie d'obésité sur tout le vieux continent européen et que face à cela, peut-être parce que c'est pas leur gosse, alors ils font rien et ils continuent à mettre du sucre partout. Il va falloir changer nos manières d'être. Tâchons de le faire assez habilement pour ne pas se faire prendre à la première indication. Je dis ça comme ça. Hein. Mais il faut qu'on traite ces problèmes. Le véritable anticapitalisme, c'est celui qui part du concret et qui y revient. Nous ne voulons plus voir l'épidémie d'obésité. Et pour cela, il faut que tout le monde mange bien. Et pour que tout le monde mange bien, il faut que les paysans produisent de beaux produits dans de bonnes conditions, sans pesticides. Et pour ça, il faut les payer plus. Et pour payer plus les paysans, il faut payer plus les ouvriers et ceux qui travaillent pour qu'ils puissent se payer les bonnes choses. Ça, c'est de l'anticapitalisme concret. Et la part qui va au salaire, elle n'ira pas aux dividendes. Alors, ouais. Merci, c'est la réponse en effet. Le vaccin contre la malbouffe, le vaccin contre la violence policière, le vaccin contre les maltraitances écologiques, contre les maltraitances sociales, c'est l'Union populaire écologique et sociale. La NUP. Nous avons un président et pour la deuxième fois en l'espace de 10 ans, une élection a eu lieu qui n'a réglé aucun problème. Et comme l'a dit l'autre soir Olivier Faure, et je lui emprunte cette formule, nous avons un président sans mandat. Il a été élu, et alors ça devrait suffire. Eh bien non, il faut un mandat, c'est-à-dire il faut trancher. Fera-t-on ceci ou fera-t-on cela? Fera-t-on la retraite à 65 ans ou bien à 60 ans, etc. Il faut trancher, c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait un troisième tour. Et ce troisième tour, la démocratie nous le propose. C'est l'élection législative. Et puisqu'il y a 3 blocs à la sortie du premier tour de l'élection présidentielle, notre bloc, notre ensemble, propose au peuple français de prendre la tête de ce gouvernement et propose un candidat pour le faire. Voilà, c'est simple, c'est clair, tout le monde comprend. C'est un peu de 6e République dans la 5e. C'est du législatif dans la monarchie présidentielle. Vous choisissez ce que vous allez faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il va avoir encore les pleins pouvoirs pour aller se réunir avec son conseil de défense pour décider de la santé, de l'agriculture et de tout ce qui lui passera par la tête. Ou bien, vous donnez un mandat politique à une nouvelle majorité. Comment on fait, Monsieur Mélenchon, pour vous élire Premier ministre? Puisque, comme l'a dit quelqu'un, on n'élit pas le Premier ministre. C'est malin de dire ça. Eh bien, on élit des députés qui constituent une majorité. Lesquels? Ceux de l'Union populaire. Ah oui, mais là, je vais quand même mettre les points sur les i, hein. Toutes les familles sont dans l'Union populaire. Ceux qui présentent des candidats contre les candidats de l'Union populaire sont des candidats macronistes parce qu'ils ne servent que Macron. Alors, regardez que alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je vous dis ça parce que
Ils ont commencé un peu à me chauffer les oreilles avec, je sais pas quoi, là, de dissidents. Rira bien qui rira le dernier. Et il paraît que dans la circonscription de M. Valls, il y en a déjà deux de LREM. Et tout à l'heure, j'ai vu mon copain de Brest, il m'a dit qu'il y en a trois qui sont candidats. Et j'ai croisé le pote de l'Ille-et-Vilaine, il m'a dit dans mon coin, il y en a deux. Alors, on n'a pas fini de rigoler. Évidemment, ça ne sera pas marqué dans le journal, parce que dans le journal, il n'y a que nous qui intéressons, ça se comprend. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à part nous, hein, franchement. Alors, mais... Moi, je crois et je demande à tous ceux qui nous ont pendant des mois et des fois des années dit « entendez-vous » alors qu'il fallait d'abord que la parole politique tranche par le vote. Maintenant, nous nous entendons et nous demandons à tous ceux qui trouvent que c'est bien de nous aider, de nous suivre, de nous épauler de toutes leurs forces et de ne pas s'abandonner aux caprices égotiques de ceux qui ne supportent pas l'Union et qui ont habillé leurs manœuvres de main prétexte. Alors bon, je vois que tout le monde a compris, hein. Mais il faut qu'on pense à ceux qui nous écoutent, là, à cet instant. J'ai encore un petit message pour eux. Là, c'était un message pour qu'ils nous aident. J'en ai un autre. Alors, il y a un vote qui sert absolument à rien. C'est le Front National. Mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi ça ne sert absolument à rien. Quand vous en élisez députés, il y a quelques députés ici, ils ne viennent pas. Ils ne font pas le boulot. On réforme la retraite, pas un mot de Madame Le Pen. Alors elle dit « Oui, mais c'est parce que j'ai pas de groupe, menteuse. » Tout le monde peut intervenir, tout député peut intervenir quand il veut, déposer un amendement et le défendre. C'est pas vrai, tu sers à rien, à part aider l'autre. De toute façon, je veux pas non plus être trop mauvaise langue, hein. Il faut pas être trop mauvaise langue. Et montrer ceux qui sont jamais là, le soir ou quand ça les intéresse pas. Bon, mais... Il y a quand même quelque chose qui a été dit par M. Bardella. Il a dit, Madame Le Pen ne veut pas être Premier ministre. Ben, très bien, reste chez elle, il ne présente pas de candidat. Ça ne sert à rien de voter pour eux, puisqu'ils ne feront rien. Et ils l'annoncent à l'avance. Nous, ce n'est pas pareil. Vous votez pour un député de l'Union populaire, tac, vous avez un gouvernement d'Union populaire. Alors, d'autres m'ont dit, mais c'est possible, ça? Ben oui, c'est possible. Il y a déjà eu des cohabitations. Ça s'appelle comme ça, on appelle ça cohabitation. La première fois, on n'en revenait pas. Alors on avait François Mitterrand qui était président de la République et les gens ont élu des députés RPR. Donc le président de la République a choisi la personnalité qui dirigeait le RPR, M. Chirac, qui a été Premier ministre. Et quelle politique s'est appliquée? La politique de M. Chirac. Ensuite, on a eu le même épisode un peu plus tard avec M. Balladur. Quelle politique s'est appliquée? La politique du dernier élu. Et puis ensuite, on a eu, en 1997, Lionel Jospin, et le président était Jacques Chirac. Qu'est-ce qui s'est appliqué? La politique de Lionel Jospin. Et je vous signale qu'on ne s'en est pas trouvé si mal que ça, parce que ça a quand même donné les 35 heures sans perte de salaire, le plus gros prélèvement qui ait jamais été fait sur le capital dans ce pays. Bon. Donc, si vous élisez une majorité de députés de l'Union populaire, pour ça, il faut sortir le dimanche, le jour du vote, aller en famille, tout le monde, les amis, les voisins, les cousins, tout le monde. On va voter, on met son petit bulletin, et à la sortie, vous avez un député Union populaire. Quand vous rentrez, il y a une table avec tous les bulletins de vote, et vous cherchez Union populaire, vous le prenez, vous en prenez un ou deux, parce que c'est la règle, bon, et puis vous entrez dans l'isoloir, vous chiffonnez les autres, que vous mettez dans votre poche pour pas qu'on puisse savoir ce que vous avez voté, et vous mettez votre bulletin Union populaire dans l'enveloppe. Non mais attendez, j'en vois qui rigolent. Eh bien, ça prouve qu'il y a longtemps que vous n'êtes pas sortis. Parce qu'à l'élection présidentielle, il y avait plein de gens qui venaient qui ne savaient pas comment on votait. Il y a 5 millions de personnes qui n'avaient jamais voté qui pouvaient venir voter. Il n'y a pas de honte à expliquer. Et c'est votre rôle de le faire. Il ne faut pas faire les malins.
Mais moi, je sais tout. Non, il faut faire le boulot. Faire le boulot, c'est expliquer. Surtout à ceux qu'on n'ose pas dire qui ne savent pas. Il n'y a pas de honte à demander, je le dis à ceux qui nous écoutent. Mais nous, c'est un devoir d'expliquer. C'est notre rôle. Je termine pour l'explication. Alors donc, vous avez élu plein de députés de l'Union populaire, tant qu'ils sont majoritaires, il y en a 287. Bon, le président de la République, 89. Le président de la République me convoque, parce que dans notre accord, il est écrit que c'est moi le Premier ministre. Donc je vais le voir, et je lui dis, bon, d'accord, c'est ce qu'on avait prévu. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y en a qui me disent, ah, mais il va aller demander à Macron de le nommer, mais rien du tout, je demande au peuple français de nous nommer, c'est-à-dire de nous élire. C'est pas le bon plaisir de M. Macron. Puis comme c'est un démocrate, ben il s'inclinera, comme l'ont fait les autres présidents avant lui. Le président Mitterrand, le président Chirac se sont inclinés. Ben lui, pareil. Et donc, il y aura un gouvernement de l'Union populaire. Alors, et quelle politique sera appliquée à ce moment-là? Ben, la politique de l'Union populaire, puisque c'est ce qu'aura décidé le peuple français qui n'a rien décidé le coup d'avant. Là, il aura décidé. C'est cette politique-là qui s'appliquera. Alors, je vois que vous avez tous la banane. Je vous comprends. Mais enfin, ça m'étonnerait qu'ils nous fassent des compliments tout de suite. Hein. Donc, il va falloir penser sans cesse que notre première tâche va être d'expliquer, expliquer, réexpliquer 100 fois et accepter l'activité et la mobilisation populaire parce que nous avons besoin d'elle. Parce qu'on ne change pas la société sans la participation du peuple. Attendez, j'ai encore une question à régler. Alors, j'ai dit, vraisemblablement, je ne serai pas à nouveau candidat député. Mais c'est possible, ça, M. Mélenchon. Vous pouvez être Premier ministre sans être député. Mais oui, mais oui. Sur 24 Premiers ministres de la Ve République, 6 n'étaient pas députés. Le dernier Premier ministre de la IVe République n'était pas député, il était général. C'était De Gaulle. Et puis ensuite, il y a eu Debré, qui n'était plus parlementaire à ce moment-là, Pompidou, Barre, Madame Cresson, qui n'était pas parlementaire à ce moment-là, M. Villepin et M. Castex. L'actuel Premier ministre n'a jamais été député. Alors, il a quand même une légitimité populaire, parce qu'il a eu 1800 voix à l'élection de la mairie de Prades. Non, mais je ne dis pas ça pour me moquer, je respecte. Ben, c'est le tarif pour être maire de Prades. Donc, voilà. Et moi, je me sens, après tout, pas si illégitime que ça, en ayant déjà recueilli, à l'élection présidentielle, 55% des voix au premier tour dans ma circonscription, et après avoir, ça se trouve que c'était mon nom, qui avait sur le bulletin, 7 700 000 voix. Donc, je réponds à ceux qui sont inquiets qu'on peut ne pas être député et être Premier ministre. L'avantage que je ne sois pas candidat est le suivant. C'est que je peux courir partout et que quand je vais à la télévision, on n'est pas obligé de faire venir tous les autres. Je vais concourir pour un prix d'éducation civique, tu vois. Non, parce que d'habitude, c'est un peu ennuyeux, ce genre de sujet. Hein. Voilà. Je vois que vous avez tous la bonne humeur, le sourire, on se comprend. On a bien travaillé tous ensemble. Je suis sûr que il y en a qui, en nous voyant, regrettent de ne pas être là. Ça fait du bien d'être là. On recharge la batterie et on se voit si nombreux. Et on voit ces belles équipes qui vont arriver à l'Assemblée nationale. Je pense à tous ces candidats dans des circonscriptions dites éligibles, encore qu'il n'y en a aucune qui est, hein, il n'y a jamais aucune élection qui est réglée d'avance, mais qui ont une adresse personnelle dans une cité populaire et qui sont des candidats de l'Union populaire. Tous ces gens qui viennent du monde du travail, du salariat, du monde de l'association, tous ceux qui me font l'honneur et l'amitié de se tourner vers nos équipes pour dire « Moi, je suis candidat à rien, mais je viens donner un coup de main.
je suis un spécialiste de ceci, je suis un intellectuel de telle branche, je sais faire ceci ou cela. Les hommes et les femmes de lettres et de culture qui nous rejoignent, il y en a quelques-uns à cette tribune, je ne les cite pas, sinon ils sont mes potes. Mais quel bonheur. Ce que nous sommes ne peut pas avoir tout son sens s'il n'est à la fois ancré dans le peuple le plus populaire et dans ces milieux des intellectuels, de la création, de la beauté. Nous sommes tout ça. Et je suis heureux que la nouvelle page que nous commençons, parce que c'est une nouvelle page, c'est une autre histoire. Prenez-la comme elle est. J'ai dit une fois, il faut jeter la rancune à la rivière. Bien sûr, dans toutes les luttes, il y a des coups qui ont été ou trop longs ou justement mérités. Mais on ne va pas passer notre temps avec ça. Ce qui est important, c'est de savoir où on veut aller ensemble, ce qu'on va faire ensemble. Et après, c'est la vie dans vos vies personnelles. Vous faites comme ça aussi. Vous tournez la page régulièrement. Eh bien, dans notre vie collective, il faut savoir trouver la page. Pas pour battre je ne sais quel record d'empathie ou pratiquer le sport du pardon avec plus d'énergie que d'autres. Oh, le pardon, c'est compliqué. Non, c'est parce que nous avons besoin d'avoir toute notre énergie, toute notre inventivité, toute notre combativité tournée vers l'objectif que nous nous sommes donné tous ensemble. Nous sommes en train de faire l'histoire, chacun d'entre nous, au peuple Mossad qui croyait que tout était terminé. Nous avons immédiatement relancé l'appel au combat et vous avez tous vu qu'il a été entendu, que partout ils ont entendu troisième tour. Allez, je finirai pas une fois de plus sans Victor Hugo. Ah bah quand même. On a commencé avec Éluard. Éluard, il était communiste, hein. Eh oui, bah c'est pas un défaut, hein. Et alors Victor Hugo, lui, au début, il était monarchiste. Puis après, il a fini avec nous. Mais bien avec nous, hein. Bien de chez bien. En route, des fois, il s'est trompé. Par exemple, la commune de Paris, les fichus le camp, comme quand les gilets jaunes foutaient la trouille à tous les bourgeois, à l'époque, c'était pareil. Alors, ils étaient là à dire, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est cette histoire, ça va trop loin. Bon, le fait est que nos amis avaient fusillé deux généraux, qui le leur ont bien rendu, soit dit par parenthèse. Et donc, Victor Hugo était... Après, il est revenu, il a mené la bataille pour l'amnistie, tout ça. Et il est resté en lui quelque chose de la sensibilité de ce qu'il avait perçu dans cette folle audace populaire. Tous ces pauvres gens. Et alors, il écrit « Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe elle-même par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête, voilà l'exemple dont les peuples ont besoin. Et la lumière qui les électrise. Vive la France, vive la République.